bienvenue dans la 15e édition du Tribunal de l'e-sport. Vous êtes dans la cour du Tribunal de l'e-sport où nous jugeons les dramas, les affaires de l'e-sport. Nous sommes cette semaine avec Cassor. Cassor, comment tu vas ? Bonjour, ben ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Hein. Je t'en prie. Nous sommes cette semaine aussi avec un invité prestigieux, le loup du game, Doc B, coach de Millennium Spirit, oui. Ex-vainqueur des IEM Sao Paulo, non ? Plein. Plein. Tous les IEM, j'ai tout gagné. Bonsoir, okay. Monsieur le juge. Bonsoir, monsieur Dogby. Et nous sommes aussi cette semaine avec Drijo, notre champion du monde d'e-sport. Drijo, comment exactement, tu vas ? Exactement, et je suis ravi d'être avec le loup du game. Parce que j'avais pas vu Dogby depuis longtemps. Ouais, c'était une très très bonne occasion pour se retrouver. Ouais. Donc, en plus, on va débattre. Et puis, avec Drijo, on est. Question traditionnelle, comment s'est passé votre week-end e-sport, messieurs ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai joué à Chance Z1 ce week-end. Oui, ouais, je me t'as suis mis à Chance Z1. Pas encore. Hein ? T'as pas ton premier kill ou c'est... Ah, j'ai eu mon premier kill. Ah oh, j'ai mon premier on kill. On s'en souvient très longtemps. Hein, j'ai eu mon premier kill. J'ai campé comme une grosse merde dans une cabane et le mec, je l'ai eu au pompe. Mais ça a été mon seul kill sur une quinzaine de parties. Ok, ouais, mais c'est bien. T'as eu le premier kill, c'est important. Donc voilà. Mais ouais, j'essaie de m'y mettre. Alors, on en parlera peut-être. Mais le jeu est pas mal, ouais. C'est sympa. Ah, bah dis-le. Non, je trouve le jeu sympa. Ouais. Je trouve que par contre les moves, je m'attendais à un jeu un peu comme Counter-Strike, assez nerveux au niveau des moves. En fait, t'es assez coincé dans ton perso. Mais voilà, et ce week-end, j'ai pas mon gamin, donc j'ai prévu de jouer H24. Ça va être trop cool. Bah, c'est marrant parce que sur Unknown Player Battleground, je sais plus, ou Battlefield, l'inertie est encore bien plus importante. C'est vrai, moi ça me dérange très, très vraiment. Long, hein. C'est moins arcade, c'est très dynamique en fait. H1Z1 où tu y vas, tu bombardes et bon. Tu peux faire beaucoup de kills, tu peux mourir aussi très vite. Sur Unknown Battleground, là c'est très très long, tu tires sur. C'est vraiment survie, la en fait, game, j'ai l'impression. Ouais, c'est très survie et bon. C'est moi j'ai carrément des personnes qui m'ont parlé de simulation et de arcade. C'est ça. Ouais. Et qui a eu la putain de mauvaise idée de sortir un nom aussi imbitable ? Oui, c'est parce Battleground. Apparemment, c'est le développeur du mode d'H1Z1. Oui, parce que c'était sûr que ça allait arriver ça. Parce que vu comment H1Z1 avait du mal à faire l'étape supérieure pour venir intéresser vraiment un large public, c'était sûr que certains en interne allaient se dire. Mais là, gros danger pour H1Z1 quand même. Hein. Oui. Gros danger. Parce que pour l'instant, sur Twitch, c'est encore au-dessus. Enfin, c'est toujours au-dessus maintenant. Des fois, on les voit plus. Dans les deux premières listes, on les voit plus du tout. Donc c'est inquiétant. Oui. Surtout pour Vitality qui a une line-up et qui dépense pas mal de sous, j'ai l'impression. Oui. Finalement, LBC a fait un bon coup. Oui, je pense aussi. Bravo, moment. Bravo, moment. Moment, ce visionnaire. Moment, ce stratège. Waouh, c'est ouf. Vous êtes habitué à notre petit point LCS à chaque tribunal de l'e-sport. Tout à fait. Donc LCS, bon, vous savez, sur League of Legends, c'est voilà, ça. Ah, ça va, je connais, ouais, c'est bon. Plus grand monde actuellement. Est-ce que vous avez au moins suivi les résultats de ce week-end dernier, de la semaine dernière ? Un petit peu. Moi, j'en ai commenté quelques-uns chez OGaming, mais sinon, j'ai pas tout su, je vais pas te mentir. J'ai vu que Vitality gagne, maintenant que c'est un peu foutu ouais, pour eux, c'est ça, ouais. Non, ils ont, non, mais je veux dire, maintenant que c'est fini. Splice, mais ils ont gagné contre H2K. Non, ils ont perdu contre H2K. Est-ce qu'ils peuvent encore se sauver ? Alors, oui, ils sont sauvés, ils sont en vacances. Est-ce que tu peux nous afficher le classement des LCS EU, s'il te plaît ? Je vais vous expliquer, j'ai le tutoriel. Wow. Ah, le tuto Cormier. Wow. C'est vrai que le groupe B... Alors, vous le saviez, c'était séparé en deux groupes. On a les classements presque définitifs. Donc, là-dessus, on a obligatoirement G2 eSport et Misfit, ainsi que UOL, H2K et Splice, qui sont qualifiés pour les play-offs. Oui. Exactement. Ça va se décider entre Fnatic et Rocket pour le groupe A. En tout cas, Fnatic et Rocket évitent la relégation, down, c'est-à-dire le up and down, on va en parler avec les CS après, de Giant et Origen. Et bah, Team Vitality, quant à eux, ils ont sauvé la saison. Ils ont sauvé les meubles et ils seront ni en relégation ni en play-off. Mais bon, au moins, ils seront encore en LCS la saison suivante pour le split suivant. Dogby, oui. Qu'est-ce que tu penses de ce classement ? Bah, c'est très très étonnant quand même, hein, de voir Vitality aussi bas. Quand on se rappelle le début de saison, on les attendait vraiment dans le top 2 de ce groupe B, qui était un groupe abordable. On espérait beaucoup de Joko aussi. Énormément de la part de Joko. On espérait qu'il exprime son plein potentiel. Totalement, en fait. Et finalement, bah, il s'est retrouvé un petit peu mêlé à toutes ces histoires en interne, et du coup, il n'a pas pu vraiment exposer son potentiel. J'ai même eu l'impression que pour lui, ça a été un mauvais move, parce que j'ai peur de comment il va ressortir de ça. Je ne sais pas s'il va avoir l'opportunité de re-signer un split avec Vitality. Est-ce que c'est lui qui a vraiment fait une mauvaise saison dans l'équipe ? Ah non, je pense que le collectif est à blâmer, et tout
tous ceux qui entourent le collectif sont à blâmer. C'est pas une personne individuellement qui a fait l'échec Vitality pour ce split là. Maintenant voilà, Vitality a d'énormes enjeux, ils ont quand même des grosses sponsors, c'est l'une des structures qui paye le mieux ses joueurs, faut le savoir, en Europe. Donc c'est très étonnant de les voir aussi bas en termes de classement, et pourtant ils ont pas réussi à faire une bonne saison. Donc je m'attends à peut-être beaucoup de changements pour le prochain split afin qu'ils parviennent enfin à faire des résultats, à part si déjà lors du Spring Split, tu voyez, on enlève le support, on passe le mid support, support, enfin ça paraissait un petit peu brouillon en fait. Aussi, ouais. Vu de l'extérieur, ça paraissait brouillon en fait. Tu dis, bon, comme disait Dwagby, enfin ça reste une belle marque et une grosse structure. De les voir ici, le groupe, je le voyais assez serré effectivement, bon, à part Origène, au tout début, et c'est vrai que les voir entre guillemets avant-dernier, avec un score quand même assez. Assez triste, ouais. Assez mauvais, c'est triste parce que bon, bah, c'est une équipe française, ça a des Français dedans, automatiquement tu les supportes un peu quoi. Mais bon, on va espérer que cette petite ça fait un peu partie aussi du fait que beaucoup de Français se désintéressent un peu des LCS, et que les saisons précédentes, il y avait énormément de Français qui étaient hypés, il y avait une vraie audience qui regardait et qui soutenait les joueurs français. Et cette année, bah, que ce soit en termes de clubs français ou de joueurs français, il n'y en a pas trop qui percent, à part vraiment Ansama, et je voulais revenir aussi là-dessus, qui... eux sont la surprise de ce split-là, Misfit qui arrive à peine en LCS et qui parvient à faire une énorme saison en arrivant presque à tenir tête aux plus grands d'Europe, pas encore, mais ils s'y rapprochent totalement. Ils sont capables de gagner pour moi les playoffs. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, c'est pas aussi juste pour revenir à Vitality, c'est pas un peu consécutif. J'ai l'impression qu'ils ont eu un début de saison avant la saison même sur la construction du groupe. Tout a été annoncé très tard, tu vois, les derniers joueurs, on se souvient d'Alderiat en sub, on sait que c'est parce qu'ils étaient en retard, les subs ils n'avaient pas prévu, ils ont demandé à Alde, ils l'ont mis sur la liste, boum. Et j'ai l'impression que sur le coach et même sur la construction de l'équipe, soit ils s'y sont pris trop tard, soit il y avait trop de concurrence et les gens préféraient aller ailleurs que chez Vitality, ce que je comprends pas parce que je crois que les joueurs sont assez bien payés chez Vitality. Donc il y a vraiment soit des choix qui ont été faits et qui n'étaient pas les bons, soit il y a une donnée qu'on n'a pas, ce qui est possible aussi, mais... Je pense que Néo est assez, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il est assez honnête aussi sur le fait que, on a un peu fait de la merde, quoi. Tu vois, en gros, l'histoire qu'il raconte, et il compte bien se rattraper à la prochaine saison. Donc forcément changer des trucs. Joko, j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu, même si on peut pas mettre sur son dos les mauvais résultats de la Team Vitality. Est-ce que on peut quand même envisager que, au final, le format LCS, l'expatriation, le fait qu'il soit loin de sa famille et tout, est-ce que ça n'a pas joué sur les performances de ce joueur-là qui est quand même... Je pense pas. Moi, je pense sur lui comme sur tous les autres. Ouais, j'allais dire, pourquoi il aurait pu jouer sur lui en fait. Que je connais aussi très personnellement, comme vous, parce qu'on a eu l'occasion quand même de vivre à ses côtés pendant très longtemps. Il est resté quand même très longtemps aussi ici à Paris, loin de sa famille, etc. Donc je pense pas forcément que ce sont ces choses-là. Oui, il avait un drijojo, tu vois. Moi, je pense que c'est plus le fait de rentrer dans la compétition de manière brutale et avec un pressoir, quoi, vraiment, les LCS à niveau pression, c'est autre chose que les Challenger Series. Tu mettais 4 victoires en début de saison, toute l'équipe aurait été différente. C'est une dynamique qui s'est instaurée très rapidement, très négative, qui s'est instaurée rapidement avec, comme l'a dit Sakor, les gros bordels au niveau de la gestion de l'équipe. Donc Achani qui trouve pas ses marques alors qu'on l'annonçait comme étant la perle de cette année, capable même de faire de l'ombre à Ignar, etc. Voilà, donc tout ça, ça a un petit peu créé une sorte de mauvais état d'esprit dans l'équipe, et défaite sur défaite, c'est très difficile de revenir mentalement. Maintenant, c'est le gros niveau, c'est là qu'il faut faire ses preuves, et c'est les petites erreurs sont punies très rapidement. Et heureusement que ce split-là, Néo était sur place. Tu vois, je suis pas sûr que ce soit forcément un atout. Bon, en étant sincère, quand t'as la personne, c'est possible. Des intérêts assez violents au niveau économique, qui fait face parce à que ces joueurs vital pour Vitality, qui fait face à ces joueurs qui eux sont en train de perdre les games, et que t'as le boss derrière qui en plus on avait vu Néo au début c'est de la split, vrai, il commence à avoir des salaires, etc. Ça va être très très difficile d'avoir une relation. Après, Néo il a quand même une expérience, tu vois, de l'équipe, mais effectivement je pense pas qu'il avait cette expérience de la GH avant. C'est parce que je suis pas sûr que les joueurs code ou comme ça étaient en Vitality, mais ça a été très rapide. Mais oui, je suis totalement d'accord. Après, c'est totalement différent League of Legends et Call of Duty. Oui. C'est vrai que Néo, pour moi, il est magnifique sur Call of Duty parce qu'il joue vraiment. Enfin, il est très proche du joueur, il est vraiment là pour les accompagner. Et c'est vrai que sur Call of Duty, la performance individuelle compte beaucoup plus que sur League of Legends. Et soit t'es bon, soit t'es pas bon sur Call of Duty. C'est pour ça qu'il y a eu un énorme turnover de joueurs. Sur LoL, t'as un collectif, faut l'assumer tout un split. Et c'est pas parce qu'il a été mauvais 2-3 games que t'as la chance de pouvoir aller faire un petit changement de dernière minute qui pourrait renverser la tendance. Donc c'est totalement deux mécaniques différentes, deux gestions différentes. Et c'est
pas étonnant que voilà, ils se soient un petit peu loupés sur ce split là. Maintenant je croise les doigts pour les connaître, pour que pour qu'ils oui, il va y avoir des changements prochain, c'est sûr. Bah je sais pas, après moi je pense que la meilleure solution serait d'arriver de peut-être de fixer le truc en interne, je vais pas dire garder les cinq mêmes joueurs, il y aura peut-être un voire deux changements, mais pas repartir à zéro en fait, tu vois. Mais non, bon, non, après en interne faut avoir, mais bon là ils ont quoi, ils ont un bon mois je dirais, je crois. Ouais, j'espère juste moi que Djoko va pas porter la responsabilité sous prétexte que c'est le dernier arrivé, et j'espère que si c'est le cas il trouvera une autre après, équipe, parce que ça reste sur un an hein, si je dis pas de bêtises, donc logiquement tu peux pas non plus te débarrasser de tes joueurs aussi facilement, ton ouais, contrat n'est pas arrivé. Si tu es plus dans l'équipe A, tu es moins payé, tu es pas forcément vendu, tu es en sub et tout machin, tu vois, c'est... Moi j'ai peur après... que, du coup vu la mauvaise expérience qu'ils ont eue, ça joue sur leur cote en Europe actuellement, alors que c'est pas forcément représentatif de leur potentiel individuel. Et ça, malheureusement, voilà, c'est le jeu d'équipe. Tu gagnes ensemble, tu perds ensemble. Bon, en tout cas, pour Giant et Origen, c'est sûr. Ouais. Ça part pour les up and down. C'est ça. Où ils rencontreront, donc je sais pas exactement le détail. Les deux Academy. Donc, Misfit Academy. Qui ont gagné donc la semaine précédente, le 19 mars, Misfit contre Schalke, la grosse surprise. Oui. Et PSG qui a perdu le week-end dernier, ce dimanche, contre Fnatic Academy, 3-2, un BO5 qui m'a vachement hypé. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Moi, j'ai eu la chance de le caster, ouais. Enfin les deux. Déjà, pour revenir sur Misfit Schalke, c'était une énorme surprise. Yuki, le français de cette équipe Misfit Academy, a été impressionnant. Et franchement, Schalke, voilà. Yuki, trop grosse confiance. Enfin le réveil ou Ouais, alors Yuki, c'est très étonnant. Ouais, si on peut parler de lui, parce que c'est un joueur. Ça fait partie de ces joueurs, je sais pas comment dire, français. Ils sont toujours dans le paysage, toujours plutôt dans le top, toujours dans les mauvais plans des équipes qui disbandent et tout machin. Et ils font jamais le step up qui fait que tu te dis oh putain, il déchire. En fait, il a une personnalité qui est très timide. J'ai eu de la chance de jouer avec lui. On a quand même fait des équipes ensemble, donc je le connais très bien. C'est un joueur qui est, tu vois, qui joue avec ma première génération. Même quand moi je suis arrivé, il était déjà joueur à l'époque des Kuja, etc. Donc c'est vraiment. Il était déjà connu pour être un bon joueur sur Counter Strike aussi juste avant. Donc c'était quelqu'un qui connaissait l'e-sport. Donc c'est vraiment un ancien. Et je suis assez d'accord. Et vu qu'en fait il est très timide, il a du mal à prendre des décisions, il se fait souvent emporter dans des plans pourris aussi. Il se fait souvent emporter dans des plans pourris. Et aujourd'hui, vu que la scène s'est structurée de plus en plus, bah lui il en bénéficie énormément parce que lui ce qu'il attend c'est juste d'avoir des bons mates et de pouvoir juste faire ce qu'il sait faire, jouer à LoL. Et aujourd'hui, vu que ça s'est structuré, bah finalement les plans pourris on en a de moins en moins. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu regardes les équipes Challenger Series, tout encadré en fait. Voilà, ils sont tous assez corrects. Donc peu importe où t'es, si t'es bien encadré, tu peux enfin montrer ton potentiel. Et donc voilà, je trouve que ça lui sourit et je trouve ça très très fort d'avoir été aussi bon pendant autant de temps avoir de drama à porter derrière lui quoi. Ouais, parce qu'on a découragé en plus, entre guillemets, il aurait eu toutes les raisons, les occasions de se décourager. Mais lui, il s'est fait douiller de ouf à l'époque de G2, etc. Et on l'avait rappelé sur une histoire avec Oslo. Il a pris des douilles à chaque fois, il retournait chez lui, il traînait. Voilà, tout simplement, jusqu'au jour où ça passe. Et aujourd'hui, je croise les doigts parce que c'est pas encore fait. Il y a un pendant. Ça dépend. Soit il rencontre Origen et ça passera peut-être, soit il rencontre Giant et ça passera pas. Alors, parce que Giant ne descend jamais des LCS. C'est une règle depuis la saison 1. Ils sont tous les ans. C'est les pires merdes. Ils sont nuls, mais ils ne descendent jamais. Je pense qu'ils vont taper. Enfin, après, déjà, la question est de savoir qui est-ce que tu mets en favori en fait. Est-ce que pour toi, Misfit Academy est plus fort que Fnatic ou pas? Moi, de toute façon, c'est Giants qui choisira son adversaire en fait. Déjà, je vais vous dire le format du tournoi de promotion. Donc, les deux premières équipes des Challenger Series affronteront les deux dernières équipes des LCS dans un bracket à double élimination lors de 5 matchs en 3 manches gagnantes. Deux victoires donneront accès au LCS et en cas de défaite, les équipes retourneront en CS. C'est ça. Sur les deux équipes LCS, celle qui aura gagné la confrontation lors de la saison régulière des LCS pourra choisir son adversaire du match 1 entre les deux équipes CS. Le tournoi de promotion se jouera les 6 et 7 avril et les 13 et 14 avril. Un petit peu compliqué. Est-ce que tu penses extrêmement simple? En gros, c'est simple. C'est bon, là, vu qu'Origen, ils sont à 0-11, en gros, là, c'est Giants qui va choisir son adversaire. D'accord. Est-ce qu'ils veulent taper Fnatic Academy ou est-ce qu'ils veulent taper Misfit Academy? Et Origen aura l'autre par défaut. Mais donc, à l'heure actuelle, tu fais quoi? Est-ce que tu prends Fnatic Academy qui sont restés dangereux quand même sur l'ensemble du split, ou est-ce que tu prends effectivement Misfit qui arrive à taper Schalke qui était invaincu? Moi, je pense que Misfit est au-dessus à l'heure actuelle. Ouais, je pense parce que Amazing est très très. Ils ont été super impressionnants face à Schalke, parce que certes, Schalke est arrivé avec un excès de confiance, un plan de jeu qui était, voilà, on va dire, prévu. On les a sentis jouer exactement comme ils ont joué toute la saison, sauf que quand tu arrives sur ce genre de match coup près avec une semaine de break, c'est là où ça change énormément de choses. Parce qu'il y avait une semaine où personne ne jouait, bah voilà, tu
peux préparer ton match vu que tu connais ton adversaire sur un BO5. Et là, Misfit a été impressionnant, a montré plusieurs styles de jeu sur un même BO5. Et franchement, ils ont vachement bien joué ensemble en collectif. Schalke, qui était quand même une équipe avec de grosses individualités, s'est fait dérouter. Alors que quand tu prends le deuxième match PSG contre Fnatic Academy, il y avait quand même de grosses erreurs des deux côtés. C'est plus l'équipe qui a fait le moins d'erreurs qui a gagné. Ah non, mais j'ai eu l'impression justement que Amazing était acheté par l'équipe adverse. Vous avez vu, t'as pas vu ses tweets ? Des erreurs grossières, le mec. T'as vu ses tweets ou pas ? Mais parce que toi, non, normalement, qui est très très regardant sur Twitter, à la fin, il était en mode je comprends pas, pourquoi vous dites que j'ai mal joué, vous comprenez pas le jeu. Et t'as choix Narcus qui lui répond non, mais tout va bien, sauf quand tu joues, je sais plus quel champion. Et il était en mode bah vas-y, dis-moi ce que j'ai mal. Rengar, il a bien dit bah, dis-moi ce que j'ai mal fait. Et on se rappelle tous du moment où il suicide Mid avec Rengar, où ça perd la game. Il dit ouais, je peux rien faire, Syndra était feed. Bah ouais, mais gros, tu t'es suicidé. Bah, je saute pas dedans. Tu vois, donc lui, il est en mode bah moi, j'ai rien fait de mal, elle était feed, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, alors que non. Donc il était un peu de mauvaise foi sur les réseaux sociaux pour revenir à ce que tu disais. Oui, mais il était pas acheté, je pense. Il était pas dans le match du tout à certains moments. Comment un joueur, j'ai l'impression que sa concentration ou son implication a varié au cours du BO5. Est-ce que c'est possible ça ? Je sais pas. Oui, suivant, tu sais, t'as des joueurs qui snowball dans leur tête dans un sens ou dans l'autre en fonction du début de game qu'ils font, quoi, tu vois. Et puis tu les suis sur 10 ans, ils snowballeront toujours dans leur tête. C'est le cas de Soaz, C'est le Soaz, je pensais notamment à lui. Donc oui, c'est possible qu'il ait été concentré différemment ou s'est engueulé avec ses potes sur la draft juste avant. Enfin, tu vois, tout est possible. Qu'en début de saison, il était au LCS quand même, Amazing. Hein, donc là, à mon avis, sa fin de saison pour l'instant. On sent bien la fin de carrière quand même. Pour ça sent bien la fin de carrière, quoi. Mais je pense qu'après. Ah bah voilà, il est là, merci. Genre, joue la régie. Là, si on a un Giant Fnatic Academy, je pense qu'à l'heure actuelle Giants gagne mais by far, hein, genre il y a trop de déchets je pense chez Fnatic Academy pour pouvoir prendre un BO5 au Giants qui reste quand même au LCS, quoi. Et bon, parce que ça c'est très amusant, on se rend compte toujours que même les pires équipes des LCS sont meilleures, elles sont vraiment meilleures, quoi, tu vois, parce que là, t'es en mode... qu'il faut vraiment un Misfits ou un Origen quand ils vraiment des mecs très expérimentés pour arriver à passer, mais sauf cap, que du coup là tu fais quoi, tu Origen qui a fait un 0 pointé qui fait taper Misfits Academy, est-ce qu'il sera encore capable de là gagner le BO5. Le pire, c'est que oui, en fait. Je pense que Misfits va. Mais Misfits a l'air trop en forme. Tout est posé sur l'Up and Down. Le format est un peu piège à cause de ça. Maintenant, je pense que ça va être de moins en moins le cas, tu vois, parce qu'avant, on avait de moins en moins de moyens en Challenger Series. Oui. Et aujourd'hui, les investisseurs ne peuvent plus vraiment investir en LCS. C'est un peu fermé, un peu bloqué. Du coup, il y a de plus en plus de moyens en Challenger Series et la compétition devient même plus intéressante pour la Challenger Series actuellement, parce qu'on retrouve les anciens LCS avec les rivalités, avec l'enjeu, etc. Après, si tu regardes sur quelques saisons passées, il y avait G2. Qui arrivent en Challenger Series, ils sont premiers, ils montent en LCS, ils sont champions en titre, ils vont au World, donc c'est possible entre guillemets de créer la surprise et de monter d'un coup. Et Origen qui monte et qui va en demi-finale des Worlds. Et qui s'écroule après, genre. Misfits risque de faire la même Misfits encore là. Que j'ai deux à l'époque. Aussi. Donc c'est possible. Tout a changé. Il n'y avait plus vraiment ce rapport de force. Mais pour en revenir au match, je pense clairement que Misfits, s'ils font face à Origen, ils ont une énorme possibilité de gagner. Le deuxième match Giant Fnatic, il n'est pas du tout joué d'avance. Du coup, peut-être que Origen va racheter Misfit Academy. Il y aura pas les deux équipes et compagnie. Mine de rien, c'est un tournoi de promotion avec un enjeu énorme pour Fnatic Academy et pour Misfit Academy. Il y a des sous. C'est que il y a le million d'euros pour le patron. Voilà, il y a le million d'euros pour le patron. C'est ça. Surtout que les team sœurs sont interdites à partir du Summer Split. Donc, vendre une équipe LCS te rapportera plus qu'une équipe Challenger Series, effectivement. Donc, t'en qualifies une des deux, effectivement, tu te mets bien. Donc j'espère qu'il y a une petite prime pour les joueurs s'ils se qualifient, parce que ça vaut le coup. Comment c'est possible ? Comment tu peux envisager qu'il y ait comme ça une période couperée avec le million d'euros à la clé pour le patron ? Est-ce que les joueurs sont sous pression ? Est-ce qu'ils ont des objectifs ? Comment t'aurais fait, toi ? Bon, j'en sais rien. Si, forcément qu'ils sont sous pression, mais les joueurs, eux, ils sont pas sous pression pour Fnatic, ils s'en foutent. Ils sont sous pression parce qu'eux, ils iront en LCS s'ils gagnent. Quoi, donc je pense pas que ça ajoute de la pression, parce que je pense que de toute façon ils ont vachement la pression déjà, les joueurs, de se dire, enfin ta vie elle change, quoi, si ça change, ça change vraiment. Et puis au-delà, en fait, de maintenant, quand tu joues en Challenger Series, tu joues pas forcément pour ton club, tu joues aussi pour toi et pour te faire remarquer. Et tu dis, même si ça passe pas, il y aura forcément un joueur de la line-up qui sera rappelé, parce que le mercato, on le sait, c'est toujours un bordel monstre. Moi, ce que j'ai peur, c'est avec les rachats. Imaginons une équipe comme Misfit Academy se qualifie, avec le rachat la règle normalement dit, ils ont besoin de garder que 3 joueurs. Donc il y en a 2 qui peuvent se faire évincer juste parce qu'on a fait un changement de propriétaire, alors qu'ils même sont qualifiés, si c'était méritant, juste parce que c'est les règles, et que du coup, si tu veux mettre 2 Coréens dans les Misfit Academy, bah tu mets 2 Coréens. Donc les joueurs, de toute façon, de base, ils jouent pour eux, pour se montrer et pour avoir une chance d'aller en LCS, tu vois. Donc je pense pas que ça change quelque chose pour moi non plus. Mais alors, dans le Game of Thrones des joueurs, quand t'arrives en LCS, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi la next step ? Aller World.
Les Worlds, restez en LCS. Ça dépend, non, ça dépend des mentalités. Il y en a beaucoup qui, il y en a plein d'ailleurs de discours comme Jankos, Jankos, voilà, ou Hans, ils disent carrément, bah moi mon but c'est d'aller au World. Tant que je suis pas allé au World, j'ai pas fini de accomplir ce que j'avais à accomplir. Maintenant, t'en as d'autres, je suis totalement d'accord avec toi. Ils sont juste des Yumbuck à l'époque, etc. D'ailleurs, Yumbuck qui a fait une reconversion incroyable. Plutôt réussi. Qui disait plutôt à l'époque, le but c'est de conserver le salaire et de rester là en place le temps qu'il se passe des trucs. Et il y en avait plein d'autres qui avaient cette mentalité là aussi, à la Freddy 122, etc., etc. Où tu les sentais au début ils avaient faim et au bout d'un moment t'es en mode bon, oui. Bah, ça tu peux le comparer au sport, même au foot, tu vois, tu te dis bah est-ce que t'as là, on va dire je dis une connerie en Ligue 1, est-ce que t'as la possibilité de jouer à la Ligue des Champions, ou est-ce que t'es en mode bah tu joues entre guillemets le maintien, mais au moins tu gardes ton salaire, ton train de vie, et t'es content. Oui. Effectivement, c'est bien, je pense que là des jeunes joueurs parce qu'ils ramènent cette dynamique à niveau, ils ont toujours ce côté on est capable d'accomplir de grandes choses, comme disait alors c'est, un grand c'est poète. Ce que vous abordez là, en fait, c'est un lien avec le sujet numéro 4. Déjà, on a tué l'émission. Qui fait qu'on avance beaucoup. Greffier, est-ce que tu peux afficher l'article sur Mark Cuban? Cuban. Qui renonce à l'e-sport. Donc Mark Cuban, c'est qui? C'est l'excentrique propriétaire des Dallas Mavericks en NBA. C'est ça. Qui gravite, comme c'est écrit dans la news, autour du monde de l'e-sport depuis des années. Je crois qu'il a même fait un match d'exhibition aux IEM à San Jose en novembre 2015. C'est pas écrit le jeu sur lequel il a fait, mais en tout cas, c'est un mec. C'était LOL, c'était sur LOL. C'est un, j'appellerais ça un influenceur économique de l'e-sport. Voilà. Et potentiel. Et justement, on apprend qu'il renonce à l'e-sport. Il trouve que c'est des business models beaucoup, beaucoup trop risqués. Et surtout, là où je voulais en venir, parce qu'on y reviendra, ça, au modèle économique risqué, c'est que selon lui, les joueurs burn-out beaucoup, beaucoup trop rapidement. Donc, burn-out, LCS, joueurs qui passent à la trappe. Drijo, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Oh, je suis entièrement d'accord. Très lucide. Hein. Les modèles économiques, il a raison. Et les joueurs qui burn-out, on en a connu plein, il a forcément raison. Ouais. Le souci, c'est qu'on est dans un milieu où déjà, t'as pas de centre de formation, donc tu passes de pyjama à LC, de jouer en pyjama chez toi avec ta mère qui t'engueule et qui coupe parce qu'il est 23h et qui coupe l'électricité parce qu'il faut venir manger, à joueur LCS où t'es dans une GH avec très souvent des gros porcs où tu bouffes à l'heure que tu veux, etc. Et il y a juste un coach qui est là pour te dire fais des results, fais des solo queues. Donc psychologiquement, il y en a que ça a brisé, très clairement. Il y en a qui s'en sortent bien. Mais ouais, il y a plein de joueurs qui disparaissent comme ça du jour au lendemain, tu n'entends plus parler. Un joueur comme Enrated, par exemple. Oui. Qui était un des meilleurs à son époque. Il bosse maintenant, il fait d'autres choses, tu vois. Mais il a disparu du jour au lendemain. Alors que c'était un mec qui jouait chez SK Gaming, qui avait une carrière aussi potable que Soz ou Yellow à l'époque, tu vois. Qui était loin d'être con, qui était vraiment extrêmement intelligent. Et puis c'est un mec qui a disparu, quoi, tu vois, très bien. On voit bien que Nono, par exemple, qui est maintenant dans la Stream Team, donc après qui a réussi à se reconvertir et qui maintenant est plus épanoui, mais c'est un joueur qui a tilt, quoi, tu vois, sur sa dernière journée, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un joueur qui a tilt complètement, parce que c'est dur, quoi, les LCS. Oui. Et puis, alors c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais je pense que c'est pas le cas en fait. Les structures à l'époque n'avaient pas les moyens de mettre cet encadrement autour, et aujourd'hui elles n'ont toujours pas les moyens parce que la priorité c'est de rester en LCS, c'est de faire plaisir aux sponsors, c'est machin. Et quelque part, le joueur c'est une denrée remplaçable, c'est une denrée périssable. C'est pas vécu comme un investissement sur le long terme. Oui, surtout que le joueur est plus sensible, beaucoup plus sensible à l'argument du salaire qu'à l'argument de l'encadrement, surtout psychologique. De plus en plus, mais par contre, c'est pas le cas encore une fois pour tout le monde. Je prends encore en considération Misfit qui. Pour moi, la structure qui dernièrement s'est le plus révélée en termes d'encadrement et d'accompagnement au niveau des joueurs, et ça se ressent in-game aussi hors-game, où tu sens vraiment les 5 joueurs jouer pour le club et pas forcément pour leurs individus. Il y a qu'ensemble en fait sur les réseaux sociaux qui s'éclatent. De toute façon, c'est facile. A vraiment bien géré son coup. Pour ça que le débat des franchises me gaffe, parce que je crois vraiment que s'il n'y a pas de fumée sans feu, si Schalke est descendu des LCS, c'est que l'encadrement, les choix et tout ça est défaillant. Si Vitality a fait une saison de merde, il y a des raisons derrière, c'est pas juste du hasard. Et si Misfit fait le parcours qu'ils font, et si G2 fait le parcours qu'ils font, G2, tu vois, il y a Ocelot derrière qui connaît. Parce que là, nous, on prend en perspective les raisons sportives, mais quand tu prends les raisons économiques, ce discours-là, tu vas voir un investisseur, mais il est en mode ok, bah cool, elles sont cool tes règles, mais ça m'intéresse plus. Donc c'est aussi là le problème, c'est que je suis totalement d'accord avec Brijoka dans la manière dont ça devrait être formé. Maintenant, c'est un peu idéaliste parce que de l'autre côté, il y a des mecs qui doivent eux mettre des vrais sous.
Et quand tu as ce discours-là avec eux, bah, ils sont en mode bah, quel est mon intérêt de mettre des sous chez toi alors que je peux aller les mettre là-bas et au moins ils ne font pas les fous. Ouais, je suis sûr que ça me rapporte en fait. C'est ça le truc. Donc il faut aussi adapter un discours en mode ok, on garde ce côté-là avec cette histoire de franchise et de l'autre côté, au moins ceux qui veulent mettre des sous pour enfin un peu mettre des sous et peut-être que plus tard avec leurs sous on pourra enfin arriver à ce modèle là mais c'est voilà tout dépend du point de vue dans lequel tu positionnes mais il n'y a pas de bon discours pour moi et ça dépend des intérêts de chacun. On revient au Challenger Series. Ouais. Défaite du PSG, quel impact ça va avoir sur le sourire. PSG pas ce sourire. Parce que je fais de la transition, parce que c'est un métier PSG télévisuel. Il y a beaucoup de gens qui sourient. Ah, moi, ça me fait ultra rire. Moi, ça me fait voilà, ultra rire. Et fais pas la mijaurée, tu sais très bien pourquoi ça me fait ultra rire. On aurait tous été gagnants si le PSG était passé. Non, faux. Mais si. Faux. Moi, je préfère voir Fnatic gagner. Quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en déjà un club, ils vont le vendre à on sait pas qui. D'ailleurs, ils vont le vendre à quelqu'un d'autre. Ils vendront au PSG. Donc, alors. PSG, ils ont pas besoin de gagner, ils ont des thunes. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Non, moi, je trouve ça. Yellow Star, revenir au LCS. Tu vois ce que je veux dire. Juste pour l'histoire. La seule raison pour laquelle je pourrais être à la limite un peu triste. C'est ça que je dis Yellow Star. C'est Yellow. Tu sais, ça me gâte d'avoir un mec qui connaît. Je savais exactement comment l'acheter. Mais Duke, etc. J'ai dit non, Yellow Star. Duke. Mais zéro pitié, mon gars. Zéro pitié. C'est fin. Personnel, moi je n'interviens pas. Non, bon alors parlons, vas-y, c'était quoi ta question? Quel impact sur le PSG? Pas le disband. Non, il y aura aucun impact. En vrai, on voit bien que le Qatari, je sais plus comment il s'appelle, Nasser. Il a mis 200 millions par an sur un club de foot pour soi-disant gagner la Coupe d'Europe. Ils l'ont toujours pas gagné, il s'est pas désengagé. Tu vois, donc pour lui, c'est peanuts. Non, ils vont partir pour un split, je pense. Maintenant, à voir comment ça va se passer au niveau des clubs LCS. Je sais pas si vous essayez de se positionner si par exemple une académie passe. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils repartiront pour un split parce que, enfin, vu ce qu'ils ont réussi à produire déjà en un split, certes ils ont fait un mauvais début de saison, ça il faut être honnête. Avec, oui. Au niveau sportif, comment tu l'as trouvé au niveau purement mauvais, sportif. Au début, je trouvais le projet, voilà, un peu fait à la va-vite en termes de d'équipe et même change de joueur après et de coach. Split, et de coach, on peut le dire. Enfin, je suis désolé. Tout le projet était un peu fait à la va-vite, c'est vrai. Maintenant, dans les faits, ils ont aussi mis trop de temps pour moi à prendre certaines décisions parce que normalement, quand tu es expérimenté et que tu vois ce genre de choses, tu comprends qu'il faut vite agir. Ils ont mis un petit peu trop de temps. Tu parles de quoi? Le changement de style de jeu, peut-être d'autres changements qui auraient pu être faits, pas forcément au niveau des joueurs, etc. Parce que Challenger Series, c'est 5 semaines en fait. Quoi. Oui, voilà. C'est pas les seuls où tu peux très rapidement. Tu dois permettre d'attendre 6 matchs. Dis bon, t'as les signes. Là, c'est 5 semaines. Expérimenté, en fait. Tu réagis. Bien sûr. Il faut aussi avoir la force de réaction. C'est pour ça qu'on ne sait jamais quels sont les moyens et réellement tant qu'on n'est pas en interne. Donc je ne sais pas s'ils pouvaient réellement réagir avant, mais je pense quand même faire venir White Knight, c'était pas non plus. De l'expérience, t'avais une belle GH, t'avais une organisation. Tu te dis, ils sont tous ensemble, le coach ou même le Yellow Star, je ne sais pas vraiment son impact direct dedans, mais ils sont tout le temps ensemble. Tu vois, je pense que tu vois des premiers signes au bout d'un moment. T'as que 5 semaines. C'est, côté, c'est difficile parce que si tu prends une décision et qu'elle est encore pire. Oui, tu t'en fous tout seul en fait. Oui, je sais pas si les gens ne voulaient pas forcément trop se mouiller et donc laisser un peu le projet se guider par lui-même. Mais au bout d'un moment, voilà, test, quoi, il y a eu trop de signes, il a fallu agir, ils ont agi. Donc ça, par contre, je le reconnais, ils ont vraiment bien fait. La preuve, ils sont bien remontés en fin de saison, ils ont failli accrocher leur place pour le up and down. Maintenant, pour un projet comme celui-ci, on s'attendait à beaucoup plus, mais pour avoir eu des échos au niveau des moyens. Il faut savoir que PSG finalement n'avait pas tant que ça de moyens comparé aux autres équipes Challenger Series. Ils n'étaient pas plus ou moins bien. Donc voilà, c'est juste que quand tu as la marque PSG, tu t'attends vraiment à être un peu. Peut-être que ça viendra pour le second split. Peut-être. Le jeu n'est pas du tout d'accord. En partie d'accord. Ce qui est sûr, c'est que c'est le PSG, donc on s'attendait à un truc de ouf. C'est ça. De base. Surtout avec la GH. Et surtout que la communication accompagnait ça. C'est-à-dire que. Ils ont un ouvre-boîte PSG. Les mecs ont pensé à ça. Ouvre-boîte PSG. Ils ont directement l'appartement à Berlin, quoi. Tu vois, ils sont prêts pour la LCS. Oui, c'est ça en fait. Quand c'est tu prends insane. Ta GH à Berlin, ça veut dire non mais nous on s'installe parce que on s'installe, on va rester, quoi, tu vois. Et les LCS, c'est tout de suite, tu vois. Donc c'est ce que ça raconte comme histoire. Après, déjà en début de saison, quand on a vu la line-up, elle nous paraissait correcte, mais elle nous paraissait pas folle, tu vois. C'est ça, par rapport aux rumeurs qu'il y avait. Par contre, l'annonce Yellow. C'était magnifique. Hein, l'annonce, la vidéo d'annonce, était magnifique. C'est ça qui est trop bien. Plus que l'équipe. Yellow, alors ça c'est le feu, hein, d'avoir Yellow, on est d'accord. Bon, et le coach, je veux dire, même en France, il y avait des gens meilleurs que lui, peut-être pour coacher, peut-être même Dogby. Je vais pas dire ça en rabaissant Dogby. Moi j'aurais pu, mais je parle pas anglais. Voilà, j'ai préféré Dogby aurait été meilleur, Sean aurait été meilleur, et je parle que des Français. Après, tu vois, en Europe, si on parle comme ça, je suis un petit peu d'accord aussi, mais si on parle comme ça, faut bien que les gens aillent aussi faire leur expérience sur le terrain. Oui, et ouais, si sur une équipe PSG en Challenger Series. Voilà, après tout dépend aussi des sujets. Maintenant, c'est vrai que ça allait un peu vite et il fallait quelqu'un. Bon, bah.
ils ont fait avec ce qu'ils avaient sous la main, je pense. Hein, oui, je pense que c'est, ça s'est fait vite et avec. Quand tu regardes comment Fnatic choisissait son coach à l'époque, où t'avais une sorte de recrutement ouvert, où t'avais des milliers de gens qui postulaient et il y avait des milliers d'épreuves pour arriver au bout, et on se rappelle que Shones avait échoué à la dernière en tête à tête avec je sais plus qui. Donc tu te dis que là vraiment, quand tu choisis un coach de cette manière là, t'as vraiment pris en compte énormément d'arguments. Quand tu sais comment le coach est arrivé chez PSG, oui, voilà, il fallait quelqu'un, ils ont pris quelqu'un. Quoi, quand toi tu connais l'homme, tu es en train de commenter, là viens. Bref, c'est un peu décevant. Voilà, on va dire que c'est un peu décevant. Ouais. C'est le supporter qui parle. Non, je suis absolument pas supporter du PSG, mais c'est vrai Il supportait Fnatic, hein, donc il voulait qu'il gagne. Ah oui, moi je voulais que Fnatic gagne. Non, mais en fait, j'aime Fnatic doit gagner. C'est dans moi, pour mon petit cœur. C'est l'e-sport. Parce que c'est l'e-sport, c'est le truc historique. Et c'est pas parce que t'arrives en face avec des équipes coréennes. Et il y a aussi, voilà, le truc qui m'a gavé chez le PSG, ça, c'est le snobisme d'aller chercher deux putains de Coréens. Tu vois. Ça, pour moi. C'est quand même solide. Les deux qu'ils ont pris sont solides. Ouais, mais c'est contrairement du snobisme. À d'autres Coréens qu'on a vu dans d'autres line-up, c'est de là. Oui, mais c'est du snobisme. Enfin, c'est du sans résultat en tout cas. C'est du snobisme sans résultat, quoi, tu vois. Donc voilà. Moi, j'aurais fait une line-up autour de Loulex, de toute façon. Donc. À l'époque, okay. Avant qu'il soit pris chez Schalke, je pense que c'était. Oui, c'est possible. Et la preuve, il a quand même fait une saison monstrueuse. Ouais. Mais du coup, oui, c'est vrai que je serais plus allé sur des joueurs européens, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe vraiment là-bas en Corée au quotidien, des disponibilités, peut-être aussi des salaires. Peut-être qu'en fait, un Coréen joue peut-être juste pareil qu'un Européen, mais coûte peut-être deux fois moins cher. C'est peut-être une bêtise, hein, ou peut-être c'est l'inverse. Mais je sais que niveau Millennium, par exemple, les deux Coréens joueurs des Millennium, ils auraient pu les avoir pour beaucoup moins cher que des joueurs français, voire européens. C'est juste que, bon, après, ils se sont tirés une balle dans le pied à les mettre sur un piédestal, juste parce qu'ils étaient Coréens. Et là, du coup, en interne, ils sont en mode embrouille. Mais il n'empêche que il y a peut-être ça aussi qui rentre en compte. Maintenant, le fait qu'ils ont récupéré Blank et Pilot, c'est quand même. On peut pas cracher sur ces deux joueurs-là, ils ont quand même sauvé la saison pour le Paris Saint-Germain. Oui, non, mais très clairement, très clairement. Est-ce que vous pensiez que ce match après, PSG juste un gagner dernier truc, ça reste oui. Le PSG. Bon, là, c'est le je veux dire, logiquement, oui. Il devrait se qualifier au prochain split, tu vois. C'est okay. Le moment où il se place au cas où. Non, dans c'est deux pas ans, ça. C'est se place. Non, mais dans 10 ans, il parlera encore du PSG. De projet, logiquement. Drijo, oublie le PSG, ça t'est passé sous le nez, tu ne l'as pas. Non, c'est pas logiquement, il devrait se qualifier au second split, mais pour se qualifier au second split, il faut qu'il change de coach, quoi. Le coach, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. D'accord. Surtout quand, si tu veux. Je suis pas le. Je connais assez bien League of Legends, surtout la méta, quoi, tu vois, hors game. Ouais. Je suis absolument pas le. Je ne cache pas le mieux placé pour juger in-game. Game. Par non, contre, je suis capable de dire que, en miroir par rapport à la prestation que j'ai vue de Fnatic, t'as particulièrement d'Amazing, avoir une équipe en face qui n'arrive pas à profiter des erreurs de ouf qu'il y avait de Fnatic. Bah, pour moi, en face, ça veut dire qu'il y avait une stratégie qui n'était pas OP et des joueurs qui n'étaient pas. Si OP que ça, quoi, tu vois. C'est-à-dire que la rencontre, elle était vachement hypante parce que c'était 1-1-0, 1-1, et puis voilà, c'était Fnatic PSG, c'était ah oui, la rencontre sur la de forme, deux mondes. C'était pourri. Hein. C'est, mais dans, voilà, dans le fond du game. Non, je viens de dire sur la forme, Drijo. De quoi ? Le fond, c'est la motivation et la forme, c'était le. Sur le fond de jeu, voilà. Ça me paraissait pas délirant. Soyons précis sur les termes, c'est important. Après, ils ont fait face quand même à un Kikis pour rentrer un peu peut-être dans les détails techniques. Qui a été vraiment monstrueux avec ça à Cali, il s'est encore une fois révélé et bon, c'est unlucky pour Paris Saint-Germain. Est-ce que vous les voyiez gagner ce BO5 ? Parce qu'à remettre en perspective, on était quand même dans la suite de la LES, où il y avait déjà eu l'erreur, selon moi, selon toi aussi, d'y aller. Voilà. Je peux m'ajouter à ça. T'es dans cette perspective-là, moi je me suis dit, non, ils vont pas le faire quoi. Moi, franchement, j'avais pas d'avis. J'espérais juste que Fnatic gagne. Il serait qualifié, j'aurais trouvé ça normal. Là, ils perdent, ça me choque pas non plus. Tu vois. Enfin, c'est en mode bon, les deux équipes restent assez even, on va dire. Ils étaient, oui, malgré la LES un peu foirée, il y a eu quand même la qualification dernière semaine. Donc, t'arrives peut-être sur une note un peu plus positive, on va dire. Là, ça me choque pas. Après, il serait passé, ça m'aurait pas choqué non plus. Tu vois, je pense que sur le papier, les deux équipes se valaient à peu près à ce moment-là de la saison. Disait, je pense. Le match plus serré, ça allait être celui-là. Bon, après, on s'attendait à Schalke qui mette 3-0 aussi. Oui, à bien Misfit. Sûr. Donc, quand tu as eu ça en semaine 1, et après, comme je vous ai dit, hein, Schalke, Misfit a eu une semaine pour préparer ce match-là. Mm. Ces deux équipes-là ont eu deux semaines pour préparer ce match-là. Donc, c'est super dur en fait. Tu peux même pas utiliser ce que tu as vu en saison régulière pour prédire un match comme ça, vu qu'il y a eu deux semaines de break, un nouveau patch, etc. Genre, ces deux semaines de break, c'est limite la moitié du. Oui, la, voilà, la moitié de la durée du split en fait, donc, tellement c'est énorme tout en fait. Se passer en vrai, et je suis assez d'accord avec Cassor, peu importe l'équipe qui passait,
ça aurait été acceptable. Et pour la scénarisation globale de la scène, tu vois, et pour en revenir aux franchises, vu que tout le monde sait que c'est mon dada du moment, oui. Tu vois, qu'est-ce que tu vas dire ? C'est bien de voir une équipe qui a potentiellement plus d'argent, tu vois, que les autres, se casser la gueule au moins une fois. Sur le fait que, bah ouais, sportivement, t'étais pas au-dessus, tu vois. Après, tu peux pas simplement acheter un slot en LCS, si tu peux aussi. Après, mais en défense, au niveau budget, ils étaient pas au-dessus des autres, loin de là. Ouais, je sais. C'est l'image que ça véhicule, loin en dessous en termes de budget. Je sais bien, mais on peut. Je suis d'accord que PSG, c'est une marque qui, en termes de moyens, c'est limite infini. Maintenant, de ce qu'ils ont investi sur l'instant en Challenger Series, c'était pas oufissime. Maintenant, je pense sincèrement que sur le Split 2, ils vont pas faire la même erreur. Ouais, après, ils sont pas sur Split 2, ils vont y aller. C'était pas. Il y en avait d'autres qui avaient des budgets bien supérieurs, mais est-ce que c'était suffisant malgré tout ? Pour moi, ça reste. Pour s'assurer une qualification, non. Pour s'assurer une qualification anyway, non. Après, c'est. Parce que, mais pour te mettre sur à peu près un pied d'égalité avec les autres. Ah oui, des choix malin, oui. L'équipe oui. vient d'être créée, même si entre guillemets les joueurs qui étaient dedans, ils étaient déjà connus, ils avaient déjà un peu de bouteille, même ex-LCS. Ça reste le premier split d'une nouvelle organisation. Ils finissent en demi-finale, on va dire, des playoffs. Ça va, c'est pas catastrophique en fait. Mais après, tout dépendait effectivement. Oui, vu le début de saison, ça aurait pu être plus catastrophique. Voilà, ça aurait pu être plus catastrophique, tu vois. Mais après, tout dépendait de mon. On m'excusera. Non, mais on est d'accord que c'est le temps de step up. C'est le temps de step up. Ils sont déjà au maximum de ce qu'ils peuvent faire niveau com. Ça, ils sont imprenables. En fait, c'est ça. Mais par contre, le niveau. Oui, c'est ça. Est-ce qu'en débutant ton spring split, du coup, tu te dis, on veut aller au worst, c'est-à-dire, il faut qu'on gagne absolument le spring split et qu'on perf au summer split, ou est-ce que. On débarque en LCS, on veut, je sais pas moi, avoir quelque chose de pérenne sur le long terme. Bah là, pour l'instant, bon, bah, le premier split est pas réussi, mais c'est pas non plus un fiasco. Si, comme vous le dites tous les deux, ils arrivent à se qualifier, on va dire, pour les LCS, du coup, en Sprint 2018, tant mieux. Genre, ils ont mis une saison complète à se qualifier, voilà, tant mieux. Est-ce qu'il y aura encore des joueurs ? Est-ce qu'il y aura moins de Coréens ? Heureusement qu'ils ont gagné contre Millennium. Oui, heureusement pour lui, parce que sinon, je pense qu'on était peut-être pas le Disband, mais ça aurait fait. Ça choque personne, mais heureusement qu'ils aient gagné. Moi, ils ont gagné avec le PSG aussi. La dernière semaine Au niveau footballistique par rapport à Barcelone, parce que je me suis dit, ça fait stratégiquement beaucoup, en interne au PSG, quand tu commences à perdre au niveau football et que tu perds au niveau e-sport, en mode attends, je veux pas qu'on ait une répute de perdant, on va faire un choix, et quitte à faire un choix, je pense que. Ils ont une équipe de hand, je crois, non Oui, ça marche bien. Au hand, ça marche bien. Du coup, je me suis dit, si gagner au foot, oui, même si gagner au foot. Ils s'en foutent un peu ce qui se passe au niveau des. Alors le fait de perdre, parce que la seule chose qui dérange la marque PSG, au-delà du fait que pour moi au niveau communication ils sont totalement gagnants, c'est juste le fait qu'ils veulent avoir une image de gagnant. Paris Saint-Germain veulent que ça soit des gagnants quoi qu'il arrive, peu importe où ils se positionnent. On se rappelle du discours, je crois que vous étiez parti le voir. Oui, vous avez perdu un seul match. Voilà, c'est ça. Le but c'est de gagner. Mm-hmm. Et c'est peut-être la seule chose qui pourrait leur dire bon, on arrête tout, c'est juste parce qu'au bout d'un moment t'en as marre d'être le perdant, quoi. Okay. Mais au niveau com, pour moi ils ont fait une très bonne saison Paris Saint-Germain. Drijo, rien à rajouter sur le PSG ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Mais ça va être intéressant de voir le. Qu'est-ce qu'il faut changer déjà pour ce gros. Faut step up globalement. Ouais. Y a rien à changer du coup ? Si, y a plein de choses à changer. Mais la priorité, c'est quoi ? J'ai décidé. La priorité, peut-être c'est quoi ? Peut-être que le coaching est peut-être que le coaching peut step up. Tu vois, mais bon voilà. Parce que par contre, ils ont un coaching qui a pas tout gagné sur la communication, hein, je pense. Non. Ça c'est vrai. Oui, tu fais allusion aux sorties et aux. Et qui fit assez mal avec le reste de la communication de PSG. Stéphane, je trouve. Voilà, c'est vrai que. Mais on va pas s'étendre sur le sujet. Non, c'est pas. On l'invitera. S'il veut venir, Duke, on pourra discuter. Il viendra. Il est, pour le connaître aussi personnellement, il est toujours ouvert à des débats. Ça, par contre, on pourra jamais lui reprocher ça. C'est qu'il dit toujours ce qu'il pense, peu importe où il est. Et donc, je pense que si vous l'invitez, il viendra. Hein. Il est pas rancunier ou quoi. Okay. Lui, ce qu'il veut, c'est juste que ça débatte. On passe sur le sujet suivant, messieurs. Oui. Une bonne nouvelle. Rito ne va plus stocker les résultats des scrims sur les serveurs tournois. Alors, pourquoi ? Parce que c'est arrivé quand ça ? En LCK, il y a quelques semaines, Samsung Galaxy et Longzhu Gaming et Africa Freaks ont été sanctionnés par Rito parce qu'à la fin des matchs, ils faisaient Alt F4 en compétition. Pour éviter que l'historique de partie soit. Ah, des tournois carrément. Voilà, oui, ok, d'accord. Ils étaient en live et ils font Alt F4. Voilà, donc Rito comprenait pas, donc ils les avaient sanctionnés. C'est un réflexe, non ?
C'est parce que c'était devenu un réflexe ou c'était vraiment pour oui, parce qu'ils avaient l'habitude. Oui, voilà, ils avaient l'habitude. Parce que finalement, tu t'en fous, hein, parce que dans tous les cas, la compétition, les infos sont relayées. Mais c'est juste qu'en fait, qu'en scrim, tu fais toujours ça. Oui, pour pas que ça apparaisse dans l'historique. Quoi. Ouais. Et du coup, vu que c'est devenu un réflexe, c'est vrai que ça fait moche au niveau. Justement, maintenant, ils vont pouvoir travailler sur eux et ne plus avoir ce réflexe parce que l'historique ne sera plus conservé. Qu'est-ce que vous pensez de cette une bonne histoire, une belle histoire, une bonne nouvelle. C'est bien, c'est bien. C'est une bonne réaction. C'est ce que Nono, d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais sur Nono, c'est ce que Nono avait un petit peu expliqué à l'époque où ça lui est arrivé. Ouais. C'est que c'était une question d'habitude en fait. T'as perdu, tu as Alt F4. C'était en scrim, faut savoir que ça se passe toujours comme ça pour pas que t'es dans le match historique, toute la line-up qui s'affiche avec les items, etc. Donc du coup, parfois, c'est mécanique. Parce que même dans les dernières semaines de LCS, parfois, ou du ECS, tu voyais, machin, c'était en mode oh là là, bad mind, rage quit, machin, voilà, c'est de l'habitude en fait. Quoi, genre, c'est... Oui, en fait, souvent le mec se prend la main parce qu'il dit merde, pourquoi j'ai Alt F4 quoi, tu vois, c'est pas du tout. C'est ça. C'est une bonne chose en fait. Rito, qui est parfois accusé à tort ou à raison de ne pas assez écouter sa communauté, là ils font un geste. Non, pour moi, ils écoutent beaucoup la commune, c'est juste qu'ils sont super longs. En fait. Pour toi, ça fait 2 ans qu'ils auraient pu faire. Enfin, je pense pas que c'est non plus une avancée. La magie du siècle, quoi, genre. incroyable. En plus, c'est serveur tournoi, donc ils peuvent les manipuler, mais à tout va. C'est pas comme si tu dérangeais les millions de joueurs qui jouent à côté. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'ils auraient dû faire bien avant, et voilà, c'est juste que, comme d'hab, c'est long. Mais ça finit toujours par être bien fini. Rito, à l'écoute de sa communauté ? Oui. Oui, quand même. Cassant, quand même. Quand même. Ah, oui. C'est lent, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas être à l'écoute de leur communauté. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont apparu Les replays, plein de choses. Le match historique à 20 games et non pas à 10. Il y a plein de petits détails les replays. Attends, les replays, combien d'années on a attendu un truc Il n'y a pas de replays. 5 ans. Il y a un truc depuis le début. C'est le mode observateur qu'on a attendu 2-3 ans. Et c'est d'ailleurs comme ça que Chips et Noir sont montés parce qu'ils faisaient des VOD, tu sais. Parce qu'à l'époque, il fallait que tu sois dans l'équipe, je crois. Genre, les gens prenaient Timo, ils AFK à la base pour que tu puisses voir la game. On était là quand même. Mais non, oui. Ils finissent toujours par arriver à mettre un petit peu ce que demandait la communauté en action. Mais c'est vrai que c'est lent. Après, je sais pas comment ça se passe en interne. Il faut savoir que Rito, c'était PA qui était parti visiter un peu les locaux. C'est big en fait. Quand tu vas chez Blizzard et que tu vas chez Rito, t'as l'impression de passer d'une start-up à Google, hein, mais vraiment. Et alors pourtant, Blizzard, c'est. Quand tu dis Blizzard, ça pour les gens, c'est là quoi. Ouais. Non, Blizzard, c'est encore. C'est très familial par rapport à Rito. Donc je me dis que c'est un peu normal que ça soit long, vu le nombre de gens qui sont mêlés à tout ça. Mais c'est dommage. Il faudrait peut-être accélérer les process, mais ça, moi, je m'y connais pas trop, donc je leur fais confiance. Ok, point suivant, greffier, est-ce que tu peux afficher le tweet de Pinoy de l'équipe Millennium disant qu'il était free agent, libre. C'est dans l'équipe, l'article sur l'équipe Millennium. Oh, greffier, tu vas nous l'afficher. Oui, affiche-le, vas-y greffier. affiche. Ça marche pas, Drigo, hein. J'ai un truc avec le greffier, ça marche pas. Hein. T'as vu ça ? Ah si, c'est bon. Alors... Voilà le petit le tweet voilà bench player on duty for semaine split. Bon il a été mis de côté et en gros il jouera plus pour Millennium. Quel avenir pour cette line-up Millennium qui a perdu contre le PSG, on vous rappelle. Ouais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu accéder aux phases de play-off. Quel avenir sais pas. Aussi il faut du changement. Ils vont refaire une saison je pense Ils vont refaire une saison vous pensez? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils feraient de leur slot? D'accord. Parce qu'ils vont vendre. Non, ils vont garder, oui, ils vont garder, mais est-ce qu'ils ont les capacités de recruter d'autres joueurs? Qu'est-ce qu'ils vont. Si, c'est quand même attractif, je pense, Millennium. Ouais. Déjà parce qu'ils sont en Challenger Series, donc c'est plus attractif que tous ceux qui ne sont pas en Challenger Series. Bien sûr. Y a quand même un semblant de GH, il y a quand même des moyens corrects, tu vois, donc ça va. C'est une très mauvaise réputation en Europe maintenant. Après, ça a une très mauvaise réputation parmi les joueurs. Avec tout l'historique Rémi Chanson, etc. Ça y est, quand même, ça a commencé à percer. Ah oui, les langues joueurs parlent. Les joueurs parlent depuis longtemps. Enfin, dans le cercle des joueurs depuis très longtemps. Même depuis la génération de Marseille, c'était comme ça. Quoi. Par rapport à la réputation du club, en fait. Et c'est pour ça que tu dois toujours aller chercher des joueurs qui n'ont aucune expérience d'équipe. Preti, par exemple, il est passé par aucune équipe avant d'arriver chez Millennium. Il s'est révélé chez Millennium. Regarde, Kazé et Joko, ils ont fait des petits clubs en France, mais ils se sont révélés chez Millennium. Pourtant, la dernière Dreamhack Tour, je crois que Millennium, avec le Carry AD, j'ai oublié son nom, le. Tabs Tabs. Il avait recruté Tabs. Ouais, mais c'est pareil, c'est quelqu'un qui est. Il n'avait pas d'autre solution. Il n'avait pas d'autre solution, ok. Et en plus, il y avait un historique où il était déjà passé chez Millennium, fut un temps, à l'époque où le sport n'était pas encore développé, donc ça allait, les conditions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il est revenu, à mon avis, à des conditions similaires de. Je crois qu'il y a une étude de nouveau,
elle avait mis des tweets à l'époque en mode pas... bon, bah, mais après il avait rien d'autre, donc quand t'as rien d'autre tu te tais, tu avances et t'attends d'avoir une meilleure proposition. Mais c'est aussi pour ça qu'on a eu la fuite des talents français comme Djoko qui à la moindre occasion comme parti, Kazé aussi, Hans. Tu vois, c'est des joueurs qu'on aurait pu conserver je pense à l'époque dans ce club là s'il avait été mieux géré, et on aurait peut-être eu une belle équipe à proposer pour ces LCS. Ça aurait aussi beaucoup plus animé la scène française, la scène française surtout, en termes de joueurs et aussi en termes parce de spectateurs. Parce qu'on sentait, tu te rappelles, quand Millennium version Ant, Djoko, etc. Il y avait un début de hype un peu pour Millennium. Et même les gens qui n'étaient pas forcément pour Millennium se disaient « Putain, c'est rigolo quand même, tu vois. » Et puis c'était des joueurs attachants qui étaient en plus rigolos. Les spectateurs avaient cette hype qui commençait à naître, mais nous, en interne, ou les influenceurs de cette scène-là, ne pouvaient pas trop non plus se positionner sur ça parce qu'on savait qu'à tout moment ça pouvait exploser. Chose qu'on pouvait pas forcément mettre en avant à l'époque, mais on savait qu'à tout moment ce beau projet, cette belle équipe pouvait exploser. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que finalement cette hype, elle a été un petit peu maintenue, à un certain degré, en mode ne vous chauffez pas trop parce que vous êtes encore déçus et c'est nous qui allons prendre sur la tête pendant des mois en mode les Français ça marche pas, alors que finalement les Français ça marche, mais en Europe. Ouais. Est-ce qu'un joueur comme Preci a encore de l'avenir sur League of Legends? Oui, chez Millennium, je ne sais pas. Oui. L'avenir, oui, parce que c'est un joueur extrêmement talentueux et chaque split on vante ses mérites. Il a le train de vie d'un joueur professionnel, c'est-à-dire que il pense au jeu, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il s'intéresse pas trop aux autres choses, donc ça, c'est très positif pour un joueur qui veut percer sur League of Legends aujourd'hui. Il faut vraiment faire que ça, malheureusement, mais aussi heureusement. Donc pour moi, oui, il a de l'avenir. Maintenant, le problème, c'est psychologiquement, je sais pas comment il va ressortir de cette chute dans Millennium. C'est rien. Je pense qu'il est usé là, quand même, Preti, psychologiquement. Psychologiquement. À part s'il retrouve un groupe friendly, on va dire, non? Dans l'esprit, en fait. Ouais. Je trouve ça hallucinant de sortir d'un club qui se veut professionnel avec le premier besoin, c'est de se reconstruire. Mais rappelle-toi de Masterwork, quoi. Masterwork qui a vanish. Bah oui. Et Masterwork au top de sa forme, vraiment, quand il était au top, on se rappelle de ses games sur Thresh et tout. On était là, trop envie de le voir en LCS, quoi, ce joueur, tu vois. Et il a disparu, il a vanish complètement, quoi. On revient au burn-out. Il a burn-out du management Millennium. On parle là du management Millennium de l'époque, qui est complètement différent. Maintenant, je sais pas du tout comment ça se passe maintenant. Comment ça se passe non plus aujourd'hui. Non, et Pretty nous en a pas parlé la dernière fois qu'on l'a croisé, donc. Je crois que c'est celui qui était avec Rémi qui a repris les rênes. Samish, je pense. Qui était lui aussi de la scène code. Mais je sais pas comment ça se passe pour le recrutement, etc. Bon, après maintenant ils avancent en fait. Le but à mon avis c'est juste d'avoir un contenu pour eux à proposer. Et si ça passe c'est bingo, si ça passe pas j'ai l'impression que ça les embête pas. Qu'ils descendent pas trop, le souci gros, quoi. Chez Millet, tu vois, chez Yellow il y a le PSG. Tu vois. Oui. Chez Vita il y a Shunt, on va dire. En chez figure. Yellow il y a le PSG, il a dit quand même. Oui, c'est chez Yellow, tu vois. C'est pour moi, c'est plus important Yellow que PSG. Yellow, il a trouvé ça. Chez Millennium, en fait, il n'y a plus personne qui connaît LoL. Ouais, c'est vrai. Plus personne qui connaît LoL. Samish est très certainement très compétent sur Call of Duty. Il connaît pas LoL, tu vois, il connaît pas la scène, il a pas de réseau, il connaît personne. Il n'y a plus personne qui connaît LoL. Il a pas de conseiller en fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est que à la limite Néo avec quelques conseillers, il a encore Sean sur le côté, etc. Et il a d'autres personnes qui le conseillent pas mal. Mais c'est vrai qu'autour de Millennium, t'as pas de conseiller, donc tu t'improvises en fait. Et quand t'improvises, malheureusement, tu laisses en fait le succès de ton projet à la chance. Et la chance, parfois, elle te sourit. Et très souvent, dans le côté sportif, vu que c'est pas la chance qui fait gagner une équipe, Parce que le but de l'encadrement justement sportif, c'est de réduire les aléas sportifs, donc de réduire la chance. Que tu peux jamais réduire à zéro. Ah bah non. Mais tu peux les réduire au maximum. C'est toute la beauté du sport, c'est pour ça qu'il y a de l'émotion. Oui, c'est pour tu peux avoir un coach qui perd sa carte d'identité, un joueur malade et un autre joueur qui se fait larguer le même jour par sa petite amie, tu vois. Et c'est comme ça. Et tout ça dans la même équipe. Dans la même équipe. C'est là que c'est marrant. Ça c'est ouf. Adrijo. Oui, je connais tout ça. Les joueurs malades, les joueurs malades le jour des LCS, quoi, tu vois. Et le coach oublie sa carte d'identité chez lui. Oui, tu peux rien réduire à zéro, mais tu peux un peu quand même. En tout cas, Millennium n'est pas aux Underdogs. Le tournoi Eclipse. Le tournoi Eclipse. Non, j'ai chez les copains. Je suis pas Eclipse d'ailleurs, j'ai pas compris comment le tournoi au gaming. C'est cassé par Eclipse, non? Non, c'est casté pour Gaming, mais on a le droit de stream notre POV. C'est ça. Ah, dans vos games. Mais pas en multi-POV. Voilà. On a trouvé un compromis. Je regardais chez vous.
le tournoi qui hype la scène FR sur OGaming avec 10 000 euros de cash prize, c'est pas mal du tout. Il y a War Legends, Gros Bill, Gamers Original, DLC, Au Service Sport, Eclipsia, Dislawn et Nuit Blanche, que les noms qu'on connaît bien et qui hype bien la scène FR. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative? Super. Moi j'adore. Oh, c'est bien. Hein, c'est je quoi, sais que Dogby il adore aussi. Je sais pas la combienième édition c'est, mais bon, si c'est encore là, entre, on va dire. Moi je suis pas super fan de ces formats rallongés. Ah ouais? Oh, les formats rallongent comme ça en France, je trouve que c'est pas adapté. Okay. C'est vrai que mais l'aspect tournoi FR, c'est cool. Ah oui, ça j'adore. La scène FR, faut la dynamiser, etc. Mais je trouve que le format en fait est pas adapté à la vraie scène française qui existe. Avec les phases de poule, bah, into playoff. C'est l'équipe la plus armée, on va dire, pour ce genre de projet parce que c'est l'équipe qui a le plus de stabilité parce que c'est des streamers. Donc finalement, c'est même pas le fait d'être joueur qui leur permet d'être compétent dans ce genre de tournoi. Et pour mais les c'est autres le fait équipes, de savoir que tu vas faire tout le tournoi avec les mêmes gars en fait. Pour les autres équipes, c'est principalement la jeunesse des joueurs qui fait qu'ils peuvent s'y investir autant. Et je trouve ça dommageable parce que. Avec voilà, soit un peu plus de moyens sur la scène française, mais malheureusement c'est pas si simple, soit un format un peu plus adapté, on pourrait rendre ça encore plus hypant. C'est juste ça que je veux dire. Okay. Maintenant, l'initiative, j'adore et je veux que la scène française continue de progresser. Je vais essayer moi aussi de me relancer un petit peu pour parvenir à voilà, créer de l'activité sur cette scène française comme je l'ai pu le faire auparavant. Par parce exemple, que tu vas organiser des tournois voilà. Peut-être. Ouais, j'adore les tournois. Pour moi, en 2017, la Dua Cup peut revenir. La Dua Cup, tout est possible. Maintenant, c'est cool ça. Vous avez l'info et voilà. Je n'annonce rien. Cali News. Par exemple, une équipe comme Dislawn, je ne connais aucun joueur. Le top laner, Broussac. Le jungler, Ashanom. Le millénaire, Hero. Le carry AD, Micro. Et le support, Elaz. Ah, Broussac, ça fait longtemps que c'est là. C'est comme si c'est des jeunes en fait. C'est des jeunes. C'est bien, malheureusement, hein. C'est bien pour. C'est bien, mais c'est pas bien aussi parce que. Le problème, c'est que c'est des jeunes qui arrivent dans une équipe de jeunes. En fait, il n'y a aucun pilier, il n'y a pas d'équipe. Pourquoi? Parce que les piliers peuvent plus exister, ils disparaissent au bout d'un moment quand ils sont oui, malheureusement un peu dépassés. Tu dis, bon, bah, 25 ans, soit tu essayes encore, soit bah, tu essayes de. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour un pilier d'aller faire ce genre de tournoi. Donc, il est en mode, je préfère solo queue et attendre à la limite une propale qui n'arrivera peut-être jamais que faire ça. Et en même temps, pour le jeune, il est en mode, mais qu'est-ce que ça m'apprend en fait? Si ce n'est s'habituer à scrim un peu plus parce qu'il y a un enjeu. Oui, c'est même pas in-game directement en fait, c'est même plus la mentalité en fait. Joueur, effectivement. Mais l'idée de dynamiser la scène française, ça, je suis totalement pour et heureusement que Gaming le fait parce que si aujourd'hui il ne le faisait pas, bah, y a aucun personne. Acteur qui est capable de mettre la main à la poche, donc bravo à eux pour ça. Maintenant à côté, faut penser au développement du joueur et c'est pas le format le plus adapté. Parce que tu verras qu'il y aura forcément des changements de joueurs, des changements de trucs, pendant tout le split et du coup bah, ça fausse un peu le truc et personne finalement s'y retrouve si ce n'est le gagnant ou ceux qui gagnent l'argent à la fin et... Pour moi, il y a un problème à chaque fois quand des équipes se montent pour aller juste chercher un cash prize. Ça fait genre que des mercenaires qui se montent. Surtout que là, on peut quand même être. On sait que GO ou LDLC va l'emporter. Enfin, voilà. C'est pour moi, entre guillemets, GO et LDLC, je les ai même. Mais attends, je les mets même ça ne se vend pas, ça reste des équipes FR. Hein, donc, non, mais je veux dire, oui, bien sûr. Mais genre, entre guillemets. LDLC, c'est pas FR. Hein. Enfin, c'est EU, de ouf. Ouais, c'est... Enfin, bah, GO aussi. Hein. Oui, voilà, ça. Les deux, c'est pas FR. Moi, je les considère pas comme. Mais après, c'est vrai que. Dans le genre de tournoi, moi, GO et LDLC, pour moi, c'est même plus des underdogs en fait. Bah non. Déjà, c'est pas une équipe FR, on va dire, mais c'est même plus des underdogs. Enfin, ils ont le niveau, CS. Challenger Series, quoi. Genre, c'est leur objectif primordial. Oui, premier, hein, c'est ça. Donc, il n'y a rien à faire, donc ils font ça, principalement. Ah non, c'est vrai, oui. Et tant mieux. On peut quand même être admiratif de Gaming qui lance une saison comme ça. Parce que c'est chiant, les saisons longues comme ça, entre les joueurs qui se pointent pas, les équipes qui sont en retard, celles qu'il faut remplacer, rechanger le playday, ils ont en plus les LCS à faire courir en même temps. Les commerciaux ont bien géré et maintenant ils ont un produit qui est quand même... Les underdogs c'est un joli produit. Si tu devais relancer la Dog Cup, Dog B, qu'est-ce que tu changerais sur le format? Sur le format? Si tu devais faire une cup... Par rapport à ça, tu dis, ou par rapport à ce que tu faisais avant? Je changerais pas le format que j'ai fait la semaine, les saisons précédentes, c'est-à-dire que je mettrais tout sur une semaine, avec un match par soir. Du lundi au samedi et le dimanche. Un BO3 par soir, tu veux dire ? Un BO3 par soir, du lundi au samedi pour déterminer la grande finale. Et si je peux, ce que j'aimerais, la grande finale, tu la fais sur une scène avec des entrées pas super chères pour que beaucoup de gens puissent s'y déplacer. Et là, du coup, du lundi au samedi, tu es hypé par tout ce qui se passe et au moins les équipes n'ont pas trop le temps de se modifier ou d'avoir des problèmes en interne. Et le dimanche, tu sais que tu as ta salle de spectacle de prévu pour aller finaliser ce tournoi. Et là, tu es en mode pendant une semaine, j'ai kiffé League of Legends. Et après, tu laisses les gens tranquilles pendant 3 mois parce qu'il y a les LCS, il y a tout ça. Et tu reviens sur un même format d'une semaine, du lundi au samedi, avec le dimanche, la salle. Voilà, il y a vraiment le public. Tu le concentres vraiment, quoi. Et cette hype, en fait, elle est amenée aussi par le public. Tu prends tout le monde en considération. Non, je suis d'accord, là, c'est en gros, c'est juste le cash prize qui intéresse les joueurs. Et les joueurs jouent même pas pour le stream ou quoi, ils jouent pour leur cash prize. Toi dont le boulot est d'élaborer des produits vendus par nos commerciaux, comment est-ce qu'on aura une club comme ça chez Eclipsia? Ouais, on essaie de voir pour organiser des tournois. Ouais. Bon, évidemment, de depuis que je suis arrivé, j'arrête pas de le dire. De quoi? Quelle particularité? Quelle particularité aurait
Ouais. Alors, nous, on a deux projets. On a un projet sur d'organisation de tournoi League of Legends et un projet d'organisation de tournoi FIFA. Mais vu que c'est des projets avec des idées particulières, j'en parlerai pas parce que j'ai pas envie qu'on nous pique l'idée. Fin des débats. Donc, mais oui, on a pour Eclipsia à vocation à organiser des tournois. Enfin, c'est hyper logique quand tu n'es. Il y a trois métiers dans l'e-sport. Il y a organisateur de compète. Enfin, il y en a plus que ça, mais en gros, il y a organisateur de compète, média. Et équipe. Eclipsia a fait le choix de ne pas avoir d'équipe. À la PGW 2016, j'ai appris que bénévole, c'était un des bénévole, c'est un métier d'apprenant. Il y a plein de. Non, petites, mais après, il y a plein de vrais métiers, mais en gros, il y a trois activités. Quoi, tu vois. C'est trois pôles. Et t'as trois pôles, t'as média, club et organisateur de compétition. Oui. Évidemment, Eclipsia n'a pas de club. Enfin, les Team EC, ce ne sont que des petites équipes All-Star, on est d'accord, des équipes médiatiques. Donc oui, c'est évident qu'on doit organiser des compétitions. Alors, on ne sera jamais le SWC ou Ebedia ou d'autres, tu vois, mais des petites compètes comme fait Ogaming. La LAN Eclipsia, moi, j'aimerais bien. Hein ? La LAN Eclipsia, c'est l'event. Alors, mais ça fait partie... L'Eclipsia LAN. Ça fait partie des trucs qu'on aimerait bien organiser. Ce serait bien. On prend une salle, boum, LAN, tu vois. Ce serait bien. Corbier au barbecue, Cali à la buvette. Ouais. Et derrière ton nettoyage des chiottes, tu fais quoi, tu bien, quoi, toi tu donnes les ordres. Et moi je donne les ordres. C'est parfait. Toujours dans les bons plans. Je t'inviterai. Merci beaucoup. il aura le petit bracelet jaune VIP. Il y en aura 15, ce sera moi. Bon, messieurs, je crois qu'on a fait le tour sur LOL. Ouais. On va passer un petit peu de Overwatch. Oh. Overwatch. Alors, les villes, vous savez, on fait chaque semaine un petit suivi très strict des franchises. Cette histoire de franchise dont Drigeau dirait les franchises, c'est de la merde. Voilà. Elle le dit, hein. il le dit toutes les semaines. Et cette fois-ci, alors, les villes. Je suis perdu dans mes papiers. Les villes ont été déterminées, ont été annoncées. Est-ce que, greffier, tu peux nous les afficher? Voilà. Mais alors là, pour réussir à arriver à lire, ça va être compliqué. Donc on a Los Angeles, New York, Chicago, Seattle, San Francisco, Dallas, Londres, Toronto, j'ai l'impression que Shanghai, Paris, Milan, Séoul. Séoul et Mexico City. Mexico City, voilà. Et au-dessus de Séoul, c'est Francfort. Oui, c'est ça. Francfort avec Chicago, oui. Seattle. D.C. C'est Washington, en fait, D.C. C'est beaucoup c'est plus ça simple de lire sur l'écran. Je suis bête. Alors, une Team Paris. Ouais. Hey, Paris Saint-Germain. PSG. Là, au moins, t'es sûr de pouvoir te qualifier dans la Ligue 1. Une Team Paris. Oh. Donc, je vous rappelle les estimations d'achat. Tu peux même mettre Yuki Sport en coach Overwatch, t'es quand même sûr de te qualifier dans la Ligue 1, c'est génial. Hein. Non mais là c'est génial, tu vois, c'est pour ça que les franchises c'est génial. Parce que du coup, tu peux mettre Yellowstar en joueur, tu vois, même s'il a été bon sur League of Legends, on s'en fout. Oui. Tu vois, tu prends 4 randoms, tu mets Doug B dans l'équipe et moi. Pourquoi pas. Tu vois. Et ben si t'as les thunes avec coach Juke, on peut être en Ligue 1 d'Overwatch, c'est pas génial? Parce que c'est beau les franchises. Oui. Parce que t'auras payé tout simplement. Bah ouais. Ça c'est du sport. D'accord. Ça c'est le sport, c'est l'e-sport que j'adore, c'est génial. Bon, ouais. Toi Doug, bien un avis sur les franchises? Bon, on a eu l'avis assez tranché de Drigeau. Ouais, non, je défends. Moi je suis plus pareil du côté de Drigeau, plus très club, plus très vestiaire, sport, résultats et toute la tension et les enjeux qui vont avec. Maintenant, faut aussi regarder, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le côté financier et ceux qui mettent les sous. C'est vrai que c'est pas à nous, tu vois. Donc, si c'était à moi de mettre les sous, j'aimerais bien être sûr aussi de pouvoir avoir un minimum de retour sur investissement. Ça reste, sinon, bah, j'irais sur un autre marché, parce que des marchés où tu peux mettre des sous, il y en a des milliers et des milliers dans le monde. Donc, du coup, faut aussi, voilà, tenter un peu les gens à prendre des risques. Là, le prix des slots est estimé entre 2 et 15 millions de dollars. Là, l'avantage de la franchise, c'est que tu tentes les gens à ne prendre zéro risque. C'est ça, fait, c'est ça, oui. Parce que t'es dernier toutes les saisons. Tu t'en fous, tu restes. Tu t'en fous, tu restes. Donc, c'est bizarre. Bah, du coup, mais tu payes quoi, 2 millions jusqu'à 13, j'ai vu, jusqu'à 15. Ah, 13, en fonction des villes, en gros, c'est ça. Mais ce ne sont que des estimations pour l'instant. C'est que ça finira à 35 millions. En vrai, il n'y a rien d'officiel. Ok. Pas plus de réactions sur... Non, bah évidemment, s'il y a un slot à Paris, je pense que ce sera le PSG, mais je crois que le PSG voulait pas se mettre sur les FPS. On a la répartition des villes, les gars. 11 villes américaines, 2 européennes, 3 européennes et 2 asiatiques. Ça, c'est le début, je crois. C'est pour la première fois. J'en avais parlé avec Trauma, qui joue avec Alpha Cast, qui était à la... Ouais. Pour moi, l'e-sport est destiné à marcher uniquement en US, à moyen terme, long terme. En Europe, tu remarques de plus en plus... En fait, le problème dans Europe, c'est qu'on est tous, en fait, mêlés dans un même tournoi, dans un même enjeu économique, sauf qu'on est plein de pays à se débattre. Donc l'Europe, voilà, c'est grand et chacun veut son petit morceau. Aux States, ils sont tous sur la même compétition. Oui, c'est ça, tous ont un intérêt sur une même compétition et ça rend le truc beaucoup plus simple à organiser. Et, moi, je pense, regarde Counter-Strike.
Alors Counter-Strike, ah non, c'est complètement mondialisé. Bien sûr, bien sûr. Counter-Strike, c'est pas du tout propre aux États-Unis. Oui, bien sûr. C'est même un phénomène qui serait plus européen. Je parlais plus de League of Legends. J'avais plus sur League of Legends. C'est vrai qu'Overwatch sera différent, mais sur League of Legends, t'as l'impression que qu'ils délaissent l'Europe de plus en plus. Jusqu'à... Peut-être que c'est une volonté de Riot, mais je pense que ce serait une connerie et ce serait un retour en arrière. Tu vois, parce qu'ils ont bien lancé des ligues au Brésil, en Australie, en Turquie, entre guillemets. Donc ce serait quand même un retour en arrière. Et un peu un aveu d'échec, je pense. Mais bon, ok. Après, peut-être. Hein, aux US, ça marche monstrueusement bien, l'e-sport. En Europe, l'e-sport, c'est sûr. League of Legends, non. Hein. League of Legends, baisse aux US comme il baisse partout. Hein. Mais l'e-sport, après, c'est un business qui est vieux aux States. Ça, Ligue professionnelle, il y a plus de 10 ans. Peut-être aussi. Bien sûr, je suis d'accord. Sur console, sur Halo. Mais c'est peut-être pour ça qu'il. Bah, tu regardes l'exemple, entre guillemets, de l'Invitational d'H1Z1, tu vois. Oui. Bah, ça reste à la maison. Enfin, à la maison. Ça reste aux States, tu vois. Je sais pas. Après là, Overwatch, bon, personnellement, je suis pas du tout hypé par le jeu, du coup, j'arrive pas à me hyper pour cette ligue-là. Mais j'ai envie de dire, attendons de voir quelles sont les. Bon, on a les villes, c'est bien, mais attendons de voir quelles sont les équipes. Est-ce qu'on aura du TSM, est-ce qu'on aura du CLG, est-ce qu'on aura du PSG chez nous, est-ce qu'on aura du Fnatic Tu regardes aussi à H1Z1, par exemple, leur tournoi, ils l'ont fait au State, quasiment aucune équipe européenne. Enfin, non, il n'y a aucune équipe européenne invitée. Pourquoi? Déjà parce que c'est simple, c'est organisé. Après, il y a le droit TV, donc là-bas, il y a des enjeux qui sont en train de se créer, qui sont assez monstrueux. Même Riot, par rapport au LCS, je sais pas si c'est trop officiel ou quoi, mais au niveau des droits de diffusion, il y a énormément de choses qui vont changer en 2017. Oh, oui. Mais il n'y a rien d'officiel en 2018, donc, j'ai pas trop Doug Beatties. Bah non, mais c'est normal parce que ça lance le futur dossier. Ouais, ouais. Et je trouve qu'en Europe, le sport est un petit peu surcoté, un peu survendu. La bulle sport. Ouais. Et ça devient, en fait, c'est cool pour ceux qui en bénéficient aujourd'hui et pour ceux qui en ont bénéficié avant, pour tous ces arrivistes aussi. Ils doivent s'en mettre plein les poches, tant mieux pour eux, c'est super cool. Pour des gens comme nous qui, bah toi en plus, tu faisais l'e-sport, j'étais limite pas né. Toi aussi à l'époque chez A, enfin voilà quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire, pour nous qui avons contribué. Étape par étape, projet par projet, voilà, un semblant quand même d'e-sport français, bah t'es en mode, t'es un peu dérangé de ça parce que finalement, à un moment, ça va exploser et bah, c'est tout le monde qui va y perdre, sauf ceux qui se seront mis plein les poches qui d'ici là ont disparu en mode tranquille. Moi, on a revendu ça, moi j'ai pris quelques millions. Bah, ça, c'est sûr qu'en ce moment, on n'a jamais vu autant d'experts d'e-sport que je pense que toi et moi, je connais pas. Et je pars du principe que dans l'e-sport, si toi, et enfin, si tous les quatre, il y a un mec qu'on connaît pas. Mais pas du tout, il y a 90% de chances que ce soit un escroc. Surtout qu'en fait maintenant des experts les gens e-sport par les portes, c'est hallucinant, puis surtout les experts e-sport qui sortent des grandes écoles, parce que je crois qu'il n'y a aucune école. Même les titres en fait des gens sont pas forcément légitimes, mais qui peut le prouver? Qui va aller faire les recherches? Qui va se prendre la tête sur les réseaux sociaux à faire le râleur en mode non, lui dit que c'est ça mais c'est pas vraiment ça? Ils savent très bien que tout le monde est en mode chacun sur ses trucs et du coup tout le monde en profite pour aller venir un petit peu. Mais il faut qu'il y ait pour moi des gens qui interviennent de plus en plus dans ce milieu. Il faut même parfois qu'il y en a qui se fassent remplacer parce qu'il faut du renouveau. Maintenant, je pense faire attention à comment se développe l'e-sport en France. Je pense quand même que là, les franchises Overwatch qui ont été annoncées, ce qui est con, c'est que quelque part, ça arrive un peu tard. Il y a plein d'équipes déjà qui sont montées. Je pense à Rogue, je pense à toutes ces équipes, tu vois, qui ont monté un brand déjà autour de ça. Donc ce sera peut-être les Dallas Rogue ou tu vois, peut-être qu'il y aura des trucs qui vont merde. Oui, c'est ce que je me demandais. Comment on va former les Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va tuer des mecs qui étaient en train de monter leur brand. Et je crois que Rogue, par exemple, ils se sont mis déjà sur d'autres jeux. On a le PSG de Paris. Oui, voilà. Je ne sais pas. Je sais pas du tout comment ça je va sais pas se... comment ça va cette architecture. Non, mais ce qui vient de se passer, c'est que j'ai fait une blague et qu'elle est tombée à l'eau. Mais oui, non, c'était vraiment de la merde, donc j'ai pas relevé. Et on y est habitué maintenant. Je pense vraiment qu'il y a une erreur. Bon, déjà, j'aime pas les franchises pour le côté sportif, mais je pense vraiment que t'enlèves. Paris, était très bien ma blague. Hein, Nul. Okay. T'enlèves la moitié du spectacle s'il n'y a pas le risque de disparaître, quoi. Je pense vraiment, tu vois, on est comme les. Le public aime voir un spectacle de gladiateurs et qu'il y en ait un qui meurt à la fin. Et qu'il y ait le risque qu'il y en ait un qui meurt à la fin, tu vois. Et ce spectacle-là américain, alors c'est culturel, parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça, NBA, ça choque personne. C'est ça. Mais moi, vraiment, on est très. Nous, notre culture, elle est latine et romaine, tu vois. On aime combats de gladiateurs, on aime qu'il y ait du sang et que ça meurt. Et c'est vrai qu'enlever de ces ligues-là le risque qu'il y ait une équipe qui disparaisse, tu vois, cette tension-là. Je pense que t'enlèves la moitié du spectacle et je pense que c'est une des raisons qui feront que cette ligue-là sur Overwatch ne marchera pas, à mon avis. Tu vois. Mais voilà, j'espère me tromper, tant mieux pour Blizzard. Mais vu globalement le trend des décisions Blizzard dans l'e-sport depuis 15 ans... C'est pour ça qu'ils prennent autant d'équipes américaines et peu d'équipes européennes. Oui, c'est ça en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, ils se disent... Ils s'en foutent de l'Europe. Ces Européens, quoi. Mais on est chiant. Tu fais un event à Paris, t'as tous les autres qui sont pas contents. Tu fais un event à Berlin, t'as tous les autres qui sont pas contents. On est chiant. En Europe, on est chiant. Maintenant, là-bas au States, c'est tellement plus simple.
Sauf, comme tu l'as dit, la mentalité est totalement différente aussi, bah, comme tu as dit, historiquement par rapport à comment c'est conçu l'Amérique, etc. Et du coup, eux, ils s'enjaillent. Enfin, c'est juste la culture du spectacle et la joie de vivre, entre guillemets, sans non plus stigmatiser positivement ou négativement les Européens et les Américains. Mais tout est plus simple. Et puis aussi économiquement, oui, ça rapporte tellement plus. C'est limite maintenant, les business angels européens, ils ont plus d'intérêt à aller au State investir dans l'e-sport que d'investir dans l'e-sport en Europe, tu vois. Parce qu'ils savent très bien que là-bas, ils vont s'y retrouver s'ils ont assez de contacts et assez de moyens pour s'y amener. Maintenant, c'est vrai qu'en Europe, tu sais, franchement, c'est un flou absolu de comment va se développer l'e-sport dans les 5 prochaines années. Alors qu'il y a 5 ans, il était en mode l'e-sport, vous allez voir dans 5 ans, dans 10 ans. C'est fini le football, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, t'es en mode. Oui. Bah, tu regardes. Non, mais nous, on regarde la vidéo, c'est cool. Attends, vas-y. Même si pour le League of Legends, rapidement, genre à l'époque, l'exode de nos talents, les Bjergsen et compagnie, bah. Hop là. C'est, pourquoi c'est parce que LCS, EUNA, c'est peut-être un peu pareil, sauf que oui, bah non, c'est pas pareil du tout. Non, parce que t'as des streamers, parce que t'as des sponsors, parce que t'as des machins. Du coup, hop là, tu vois. Même si t'as l'impression que c'est les LCS, du coup. T'as que deux lettres qui changent à la fin, pas du tout. Hein. Même des joueurs moyens, entre guillemets, sont tous partis là-bas. Et aujourd'hui, bah, ça marche pour ils eux, même si... Il y a plein de contrats, ils snoopaient à Trail. Enfin, il y en a plein de contrats. Les joueurs européens, c'est ce qu'on n'a pas forcément toujours entendu parler. Toi, c'est Magaming House, tu vois, le Stark à Trail, tu vois. Le Stark, c'était le plus français des Européens de l'Europe absolue. Il est parti Trail chez TSM. Il est quand même parti SSM, tu vois. Et si ça avait marché, il serait encore chez TSM. Oui, mais ça a bien marché à son échelle. Je pense qu'il a pris un bon chèque. Ah non, oui, mais ça avait marché sportivement. Ou alors s'il avait réussi peut-être à trouver quelque chose là-bas pour un peu plus. Qu'il y serait allé, ou peut-être que l'Europe lui manquait aussi, ça c'est encore autre chose, mais il y a un énorme intérêt aujourd'hui d'aller charbonner là-bas carrément, pour l'e-sport et pour et que ce soit sur LoL, que ce soit sur H1, que ce soit sur Overwatch, enfin là c'est quoi tu parlais de pouvoir l'e-sport, tu disais pouvoir l'e-sport, comment il se développe, c'est quoi les grosses tendances actuelles du développement de l'e-sport, est-ce qu'il y a des écoles, des colonnes vertébrales, une tendance de l'e-sport rien qu'en France, il n'y a pas longtemps il y avait eu encore un truc qui m'avait moi un peu blasé, les débats politiques avec la fédération France e-sport. Ouais. Moi, ça m'avait cassé les couilles comme d'hab, mais ça, j'en ai pas parlé. Parce que comme d'hab, tu vas pas attaquer des choses. Ouais. Tu vois, t'espères que finalement, ça finit. Plein d'arrivistes, plein de gens avec des beaux discours, plein de. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Plein de mecs assis autour d'une table. En fait, avec c'est juste un projet de com pour certaines personnes. Ouais, c'est ça. Qu'on en bénéficié, qu'on surfait là-dessus histoire de se repositionner parce que finalement ils n'ont rien d'autre à apporter à ce milieu. Mmh. Et maintenant que tu sais même plus où ça en est, plus personne n'en parle. Tout le monde l'a enlevé de sa bio Twitter et c'est reparti comme si de rien n'était. Sauf qu'ils ont eu le petit moment de gloire pendant quelques mois. Mais je devrais prendre des exemples sur Tugby parce qu'il balance, mine de rien. Bah, moi je balance. Oui. Je suis indépendant maintenant. Je t'adore, mon Tugby. Moi je balance, vous voulez que je balance sur Eclipse aussi? Oui, tu peux balancer sur Eclipse. Tu peux, mais sur ce sujet de France e-sport, on n'était pas dedans. Donc Et sur France e-sport, j'étais pas dedans non plus. Et je pense qu'on m'aurait proposé, j'aurais pas accepté aussi. Ou alors. Non, mais c'était très médiocre sur le truc de France e-sport. Je sais même pas où j'en ai, c'est encore. Mais on en parlait la semaine dernière. Les statuts d'assaut sont même pas posés, tout le monde s'en fout. La moitié de France e-sport maintenant appartient à Webedia. De l'autre côté, t'as l'ESL qui est concurrent. Comment tu veux qu'ils se mettent d'accord? Nous, on n'est pas invités. A est pas dedans, Vitality est pas dedans. Enfin, tu vois, c'est de la merde. C'est de la merde. La politique, au moins, s'y intéresse encore, ou même eux, ils ont je pense que c'est une commission qui arrive, ils s'en battent les couilles. Ils ont fait des petits repas ministères, ils ont fait 2-3 trucs à la télé, il y a eu la petite hype, ça a permis de signer 2-3 contrats. Bon, hein. La photo, la signature. Et à aucun moment, on a parlé du statut des joueurs, à aucun moment, les joueurs étaient au milieu. Non, ce n'était que des intérêts de mecs haut placés qui étaient là pour se faire bosser. Même si tu vois des gens qui, tu sais très bien, quand tu es actif dans ce milieu depuis longtemps, qui ne sont pas forcément les mieux choisis, tu espères qu'au moins, ils vont maintenant qu'ils ont un pouvoir entre les mains, qu'ils vont se bouger pour l'utiliser. Et tu dis au final, même si tu trouvais que c'était pas la bonne personne, ça peut quand même faire avancer le délire. Pardon. Donc personne s'est mis en blocus par rapport à ça. Et finalement, tu te rends compte que t'as, finalement, voilà, ton premier avis était le bon. Et tu t'es dit, bon, bah, ils ont juste, ça a coulé, en fait, juste fait de la com en vrai. Oui, et je ça, me souviens encore de Tude qui nous disait attendez, les gars, vous allez voir qui on va intégrer. Vous allez voir, ça va être vraiment représentatif du panel de tout l'e-sport français. Et au final, magache. J'ai l'impression que c'était de la com. Moi, ça me dérange. Ah oui, c'est personnellement, très dérangeant. Maintenant, Dwagby publiquement, je m'en bats les couilles. Oui. Mais personnellement, Arif Hakim qui charbonne dans l'e-sport depuis 6 ans et qui a envie, tu vois, de continuer dans ce délire-là, ou même si demain j'y suis plus et que j'ai envie de voir au moins, voilà, pour pouvoir montrer ça à mes enfants, en leur expliquant que moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai contribué avec mon équipe en 2013. C'est, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'aimerais bien que ça existe encore et que ça, même ça step up, parce que nous, on a commit.
déjà dans nos vies, mais aussi, on est devenu accro, tu vois, et donc on a envie que ça monte, on a envie de ce qu'on faisait à l'époque dans nos chambres, on avait envie de le faire en structure avec plein de gens, c'est faisable aujourd'hui. Maintenant, demain, on a envie de le faire dans un stade de foot, tu vois ce que je veux dire. Mais pour ça, faut que ça step up, faut que ça step up. Et finalement, soit on a un peu surcoté le truc, soit c'est encore générationnel, faut attendre encore une génération qui devra encore attendre une génération, et à ce moment-là, ça va se développer, et on est juste finalement les pionniers de quelque chose. Soit, Je pense qu'on est encore les gens très très pionniers. Soit les gens qui ont eu les choses, le pouvoir entre les mains, l'ont super mal géré, ouais. Et tout le monde. Moi, ce que j'attends, par contre, avec impatience, c'est un syndicat de joueurs. Oui. J'aimerais vraiment qu'il y ait des joueurs un peu cadres qui maintenant reviennent, bah, tu vois, comme Yellow, comme Sos quand il aura fini, et puis d'autres jeux sur d'autres, des mecs comme Arts ou des mecs comme ça. Oui. Qui monte un syndicat de joueurs qui serait beaucoup plus légit, je pense. Hein oui, et Doc B, évidemment. Ah, merci pour ça. Moi. Shots, je n'hésiterais pas à faire pression sur les sociétés qui emploient les joueurs. Serait un interlocuteur beaucoup plus légit que tous ces gens-là. Ou en tout cas, non, pas beaucoup plus légit, parce que ça dépend des sujets quand même. Oui. Mais au moins aussi légit. Tu vois, typiquement sur les contrats bidons que tout le monde fait signer sur les sports en France. Ce serait un organisme vers lequel, quand un joueur prend une douille, comme on a connu Hans quand il est parti de chez Millennium, ça a été très compliqué. Oui. Qu'il puisse se retourner vers un interlucateur fiable qui lui dise là, ça c'est légal, ça c'est machin. Ça c'est légal, là il te bullshit, ça t'as pas le droit de le faire, par contre ça t'as le droit de le faire. Ça, c'est vrai. Et puis que ce syndicat-là de joueurs, comme c'est le cas dans le foot, puisse de temps en temps communiquer, faire une communication officielle sur l'état de santé du marché des joueurs. Ça j'aimerais bien que ça arrive dans les 4-5 ans. Mais il faut des gens cadres. Il faut des gens qui sont motivés pour le faire. Il faut des gens légitimes pour le faire aussi, parce qu'il faut que les joueurs leur fassent confiance. Et il faut que ce soit des gens qui soient en plus un peu détachés de, enfin qui soient dans le milieu, mais qui sont en réel parti pris depuis le début de leur carrière, quoi. C'est compliqué à faire. Mais ça, j'aimerais bien que ça pop dans les 4-5 ans, parce que je sens vraiment qu'il y a besoin, quoi. Tu vois, il y a besoin. D'un vrai accompagnement, en fait. Moi, quoi. Je pense que ça aurait dû même exister un petit peu avant, parce que là, du coup, la scène a ralenti de fou, hein. En France déjà. Alors qu'on avait quand même, on a encore un potentiel monstrueux pour aller chercher des talents et les faire percer en Europe. Mais voilà, le fait que ça soit super mal encadré, Hans a failli être un échec monumental. Heureusement qu'il est malin. Heureusement qu'il est bien entouré par ses parents. Putain de Stremont aussi. Heureusement qu'il est vraiment au-dessus du lot, parce que s'il avait été juste un petit peu au-dessus du lot, il aurait peut-être pas eu autant de gens qui pouvaient le conseiller. Je pense qu'il a été conseillé aussi par les bonnes personnes. Faut rappeler, Dogby parle là du moment où Hans était en contrat chez Millennium. Oui, Hans était en contrat chez Millennium et où la globalité de l'équipe n'était vraiment pas satisfaite de la manière dont ils ont pu être traités par Millennium. On parle là de Millennium Levallois, Millennium Webedia. Lui, il a arrêté ses études, etc. Enfin, on l'avait amené à lui faire arrêter ses études pour qu'il se lance dedans et finalement pour l'utiliser à des fins, on va dire, un peu chelou. Oui. Là où finalement, pour lui, son seul intérêt en arrêtant ses études, c'était de percer en Europe. Ça a failli dériver, mais il s'en est sorti, il a demandé des conseils à plein de personnes. Je sais que toi, il t'avait demandé, moi aussi, il était venu me voir. On avait à peu près tout le même discours. Il était même parti voir Yellow Star. Il était parti voir Yellow. Parce que moi, à l'époque, il était venu me voir. Je lui ai dit, va demander à Yellow. Il m'a dit, je vais te déjà demander. Je lui ai dit, à cette époque-là, tu étais dans une situation particulière où tu étais en porte-à-faux. Bah oui, j'étais employé. Tu bossais pour la boîte qui traitait mal le joueur. Et le joueur te demandait conseil pour s'extraire de cette boîte. Je pense pas que c'était la boîte qui traitait mal le joueur. Il y a plusieurs filtres entre le middle management et le top management. Donc, de toute façon, on peut pas expliquer, mais ça c'est là on est en train de parler de Millennium parce que c'est une situation qu'on connaît bien et que voilà, ça existe partout. Hein. Toutes les équipes FR font des douilles à leurs joueurs. Je pense que les équipes à peu près FR, ça doit être LDLC, je pense qu'ils sont assez carrés. C'est une marque. Toutes les autres équipes, on en a connu sur Counter-Strike, on en a connu sur WoW, on en a connu sur plein de jeux, des équipes comme ça. Ah, moi je me souviens de l'équipe championne du monde dont le manager se barre avec la caisse du sponsoring en début de saison. Allô, t'as signé? C'est bon, je disparais. C'était ça. Donc l'équipe avait disbandé évidemment. Oui. Voilà. Avec Art. On en a plein des nouvelles. Mais on est en émission là ou... Oui. On parle entre potes depuis le début. C'est ça le concept de l'émission. Je découvre le tribunal. Quand tu vas regarder la VOD, je te garantis, tu vas dire oh merde, j'ai dit ça. Merde.
Donc on saura maintenant que Dogby, si on veut qu'il commence à trash, c'est 1h15. Il commence à fatiguer, les barrières tombent. Mais là, regarde, il commence à rougir, il est chaud. 8h20, je vais me calmer un peu. Non, mais j'ai l'impression, mais moi, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Parce que depuis, on discute souvent comme ça. Même depuis des années, on se faisait des petits trucs comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que je suis à la maison avec vous. Ça n'a pas changé. C'est le tribunal des chiffres. Ça s'appelait l'apérito. On était à Marseille. En tout cas, nous, on a terminé pour ce tribunal de l'e-sport numéro 15. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain. Une heure différente, ça sera 20h, Drijo 20-22. Maintenant, le tribunal, normalement, ce sera tous les mercredis de 20h à 22h, je crois. Ok, on se retrouve mercredi prochain de 20h à 22h pour le tribunal de l'histoire numéro 16. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, dans le monde du gaming, il existe deux types de personnes. Les gens de l'e-sport et les gens du e-sport. Ceci est leur histoire.